Bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'être nombreux malgré les difficultés que nous avons en ce moment. Merci d'être là pour accueillir Gilles Boeuf pour cette nouvelle conférence des Mardis de l'Espace des Sciences qui se passe, vous le savez, qui vont se passer jusqu'à la fin du mois d'octobre ici, dans cette belle salle, sans doute à partir du mois de janvier aussi. On fera une petite halte au Champ Libre pendant les mois de novembre et décembre dans une salle d'exposition qui sera installée comme une salle de conférences. Voilà, on est un petit peu en nomade en ce moment. Merci à la Maison des Associations de nous accueillir si chaleureusement et merci à toute notre équipe à qui ça pose quelques petites difficultés de venir comme ça s'installer dans une salle différente. Je suis très heureuse d'accueillir Gilles Boeuf. Vous le savez, je l'ai souvent dit, c'est un ami de l'espace des sciences. Il est venu très très souvent. Je le remercie d'autant plus que Gilles, qui habite Bordeaux, a pris le train à 6h30 ce matin pour se rendre à Paris à une réunion. On va y revenir. Et puis ensuite pour venir jusqu'à Rennes et qui demain matin sera de nouveau dans un train à 7h30 et je peux vous préciser que c'est la première fois qu'il prend le train depuis le confinement, depuis le 10 mars, pour venir chez nous, par amitié pour l'espace des sciences et pour vous. Alors, je vais rappeler un petit peu qui est Gilles Boeuf pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore. Professeur émérite à Sorbonne Université, professeur invité au Collège de France. Il vient de quitter la présidence du conseil scientifique de l'Agence française pour la biodiversité. Il a laissé sa place à une Bretonne. Voilà. Ça ne s'appelle plus comme ça d'ailleurs. Hein, Office français. Ah bon, d'accord. Ancien président du Muséum d'histoire naturelle pendant 7 ans. Voilà. Il a quitté donc la présidence de ce conseil pour prendre celle de CEBIOS, qui est entre un centre d'études et d'expertise en biomimétisme. C'est cela ? Au niveau européen, oui. Au niveau européen. Et puis la présidence aussi d'Éthique Océan, qui œuvre pour une consommation durable des produits de la mer. On retrouve l'océanographe que tu as été pendant des années. Tu as été 20 ans à Ifremer. Et on retrouve un autre Breton, d'ailleurs, dans Éthique Océan, un certain Olivier Rollinger. Voilà, on travaille beaucoup avec Olivier, oui, effectivement. Voilà. Et puis on rappelle que tu as des acquaintances bretonne, ouais. Très forte, à Douarnenez. Trois sœurs à Douarnenez, un frère à Brest. Voilà. Ça crée des liens. Ben oui. Bon, alors c'est tout, parce qu'on peut se dire, il élimine quelques activités pour en prendre d'autres, mais enfin, bon, peut-être que maintenant, il se préserve un peu plus. Ah ben non, parce qu'il est aussi prof consultant à Agro Paris Tech, l'Institut des sciences et des industries du vivant et de l'environnement. Il est en charge de cours à Sciences Po Paris. Voilà. Bon, c'est un monsieur qui est hyper actif, comme vous pouvez le voir ou le comprendre. Et puis Gilles Boeuf, ce qu'on aime chez lui, à l'Espace des Sciences, où il est venu quand même très souvent, c'est qu'il parle fort et franc. Il n'a pas la langue de bois. Ça doit pas. Ça t'attire quelques petits ennuis de temps en temps, non ? Ça m'écoute Montégal. Ah bon ? Alors comme ça, c'est bien. parle fort et franc. Au début de cette pandémie, tu as dit ce qui n'aurait pas dû se passer, c'est passé. Et tu dis aussi qu'il y a bien longtemps qu'on s'attendait à un événement de ce type. Et pour le prouver, d'ailleurs, il suffit de réécouter ton discours d'inauguration au Collège de France, par exemple, qui a eu lieu en 2013. Je n'étais pas le premier à dire ça. Et tu n'étais pas le premier à le dire. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'on peut dire que tu es un scientifique en colère ? Quelquefois, oui. Pas tout le temps. Hein ? Je ne suis pas colérique de nature, mais quelquefois, oui, je peux pousser un coup de gueule, oui. Ouais. Et en ce moment, tu te sens comment ? Ah ben, j'en pousse en ce moment, oui. Parce qu'ils disent plein de trucs et ils font rien. Alors donc, vous imaginez bien qu'il y a du boulot quand même. Le président Macron, je vous rappelle, on était le 16 mars, un lundi soir, vous vous souvenez, 2020. Il dit ce soir-là à la télévision. D'abord, il nous apprend qu'on sera confiné le lendemain à midi, le 17 mars. Là, tous les Parisiens ont quitté Paris pour s'installer sur les côtes bretonnes.
Et puis, il dit, le jour d'après ne sera en aucun cas le retour au jour d'avant. J'attends toujours. Et puis, alors on a décidé, parce que bon, on programme les conférences pas mal de mois à l'avance, vous l'imaginez bien, et on a décidé de donner carte blanche à Gilles, justement en se disant, on va voir un petit peu ce qui va se passer d'ici cette date de ce soir, et ce qu'il aura à nous dire sur cette situation à ce moment-là. Bon, la conférence va quand même porter, je pense, beaucoup sur la promiscuité entre animaux sauvages, animaux domestiques, et l'autre animal qui est l'homme. Comment a-t-on fait pour ouvrir des failles aussi incroyables à ce petit virus? Il a 15 gènes. On en a 29 000 tous ici ensemble. 15. Il n'a pas de tête, pas de pattes. Il ne court pas, il ne pense pas. Et il ne sait pas se reproduire tout seul. Donc on l'a ouvert des failles qui lui permettent de se reproduire. Il est ravi d'ailleurs. Et il n'a qu'une obsession. Si un virus a une obsession, c'est se reproduire. Et il ne sait pas le faire tout seul. Donc là, on lui a offert des voies royales. Alors, la question, c'est... Bon, il n'est pas trop méchant, celui-là. On va arriver à 1 million de morts, c'est pas mince, mais quand même, la grippe espagnole, il y a un siècle, c'était entre 100 millions de morts. 100 millions, 100 fois plus. Mais c'est une super alerte. Hein. Si on n'en tient pas compte, on va s'en prendre un autre. Et puis, peut-être que le prochain, il tuera les jeunes et pas les anciens. Alors, cette conférence est retransmise en direct sur notre chaîne YouTube. Donc, il y aura quelques questions qui arriveront sur cette tablette. Mais bien sûr, vous êtes invités à poser des questions aussi. On va rééditer notre expérience de la semaine dernière en l'ayant un petit peu améliorée parce qu'on n'entendait pas très bien les questions. Donc, si vous avez des questions à poser, comme on ne peut pas trop vous passer des micros, vous vous levez, vous parlez fort, vous essayez de faire une question assez concise. Et puis, je suis sûre qu'on va y arriver. De toute façon, je suis sûre qu'on va y arriver. Si tu devais donner un titre, parce que moi, j'ai dit carte blanche à Gilles Boeuf, voilà, mais si tu devais... Tiens, d'ailleurs... Ah non, je crois qu'il y avait une faute. Si tu devais donner un titre à cette conférence, tu l'appellerais comment? Le jour d'après. J'avais dit bien avant qu'il revienne partout dans la presse. Tu parles dans le micro, c'est mieux. Hein. Oui, c'est vrai. J'ai écrit ça dès début mars. Voilà, très très bonne soirée à tous. On se retrouve tout à l'heure au moment des questions. Merci. Tu préfères que j'aille là-bas? Bonsoir à tous, moi je suis ravi de revenir effectivement à l'espace des sciences à Rennes. Je ne sais pas combien de fois je suis venu, mais quelques fois, une dizaine peut-être. En fait, quand Maëlle m'a appelé, je lui ai d'abord dit, écoute, moi je ne bouge plus, hein. C'est vrai que je suis resté... Alors moi j'ai confiné dans un lieu assez sympa, j'étais au bord du lac de Bordeaux. Tous les jours, dans l'heure légale, j'allais voir mes oiseaux. Comme ce n'était pas une grippe aviaire, ils étaient ravis les oiseaux. Hein. Ils faisaient des bébés, ils regardaient les humains confinés, c'était magique. Donc j'ai eu des bébés grèbes, des bébés cormorants, des bébés canards, plein de trucs. Donc je faisais mes photos, c'était sympa. En plus, il a fait très très beau à Bordeaux au mois de mars-avril 2020. Et puis j'ai fait un peu de vélo aussi. Et c'est là que j'ai commencé un petit peu à me rendre compte que le système de confinement qu'on a mis en France n'était pas l'idéal. Nos collègues allemands, au même moment, disaient « Faites du vélo ! Faites du vélo ! Plus vous ferez du vélo, mieux ce sera !» Moins vous serez contaminé, moins vous contaminerez les autres si vous êtes déjà contaminé. Et en plus, l'un des facteurs qui sort le mieux dans les cibles du Covid, en dehors de l'âge, mais vraiment très proche, c'est le manque d'activité physique. Ce virus, il tue des gens qui n'ont aucune activité physique, très sédentaire. On va en reparler tout à l'heure. Vous allez voir comment, justement, c'est un merveilleux révélateur, finalement, de nos faiblesses. Et c'est ce qu'on a fait pendant cette époque. Et puis la question pour un scientifique comme moi, c'est pourquoi des pays s'en sortent infiniment mieux que d'autres? Taïwan n'ont pas 30 morts. La Corée, 300. La Corée, ils sont aussi nombreux que les Français. Taïwan, ils sont 22 millions. Pourquoi? Pourquoi les Allemands s'en sortent beaucoup mieux? Les Portugais s'en sortent aussi beaucoup mieux. Donc c'est vrai que... Alors, je ne suis pas là pour faire une polémique sur confinement, pas confinement, comme il fallait le faire. Par contre, la voie sur laquelle je me suis vraiment élevé dès le départ, c'est qu'on me dit, on ne savait pas. Hein, ce qu'a évoqué tout à l'heure Maëlle, on l'écrit depuis 2003. Cette pandémie, elle n'est pas du tout unique. 300 maladies nouvelles en France depuis 1940. Alors, il n'y a pas que des pandémies. Hein. On appelle ça des zoonoses. Hein. Zoo, animal, nos, des maladies qui étaient chez les animaux et qui vont passer chez l'humain. Pourquoi?
qu'est-ce qu'on a offert au système pour que brutalement un virus ou une bactérie, hein, les grandes pestes noires, c'était des bactéries, hein, c'était le Yersinia pestis, qui venait au départ d'un petit rat kangourou de désert chinois qui est passé après au rat, hein, les rats qui étaient apportés à l'époque en Europe. Et puis, donc il y avait la tétralogie, il y avait la gerbille, il y avait le rat, la puce du rat et puis les humains. Et ces pathologies tuaient à l'époque la moitié des humains de la planète. Hein. La grande peste de Justinien, hein, on est là, une des chutes de l'Empire romain est liée à cela. Après les grandes pestes durant le Moyen-Âge, très terrible. Et les deux seules fois où dans l'histoire de l'humanité, le nombre d'humains a régressé, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce ne sont pas des guerres, encore moins du terrorisme dont on nous rabâche les oreilles aujourd'hui, ce sont des maladies infectieuses. Les grandes pestes noires, et puis bien sûr, ce qu'on appelle la grippe espagnole, il y a juste un siècle, 1919, qui n'avait rien d'espagnol d'ailleurs, absolument rien. C'est un truc qui était né aux États-Unis, qui est parti ensuite un petit peu partout dans le monde, et qui a tué tous les conscrits. Et comme c'était très important, on était en guerre, c'était 18-19, on était encore durant la Première Guerre mondiale, c'était un secret d'État militaire, les jeunes conscrits tués par la bactérie. Et le seul pays qui n'était pas en guerre, c'était l'Espagne. L'Espagne a communiqué sur la grippe espagnole, et elle est restée dans l'histoire sous le nom de grippe espagnole. Alors que ce n'est pas du tout un pays plus touché que d'autres. D'ailleurs, Edgar Morin, je finirai sur lui tout à l'heure, c'est un grand ami que j'admire tellement intensément. Edgar, sa maman est morte en 1919, 1922, de suite de grippe espagnole. Donc, vous voyez qu'en fait, ces pandémies, on en a tout le temps eu. En fait, ça a marqué l'histoire humaine depuis très très longtemps. Et il faut y revenir. Pourquoi celle-ci, on a réagi comme ça? C'est la première question qui m'a beaucoup surpris. Pourquoi ce confinement, le 17 mars en France, il y en a eu ailleurs, hein, des pays qui ont confiné, d'autres qui n'ont pas confiné, qui a gagné, c'est pas évident. Les Suédois n'ont pas confiné du tout, ils ont quand même beaucoup plus de morts que les Norvégiens qui ont confiné un petit peu. Pour moi, ce qui était important, c'était la date du confinement. 100 jours, on a attendu, 100 jours, pour arrêter les avions qui venaient de Chine, 100 jours. Le lendemain du démarrage de la pandémie à Wuhan, en Chine, les avions se posaient à Milan. Vous avez vu comment la Lombardie a été touchée. Les Taïwanais avaient arrêté les avions chinois le lendemain du démarrage de l'épidémie. Donc il y a eu deux choses, hein, ce qu'évoquait Maët tout à l'heure. D'un côté, on va en parler pourquoi, comment c'est survenu, pourquoi ça s'est passé. De ce qu'on en sait, c'est pas si simple que ça. Et deuxièmement, pourquoi est-ce que ça a fait le tour du monde aussi vite? La question de la mondialisation, deux chiffres. Avant la pandémie, un peu plus de 100 000 numéros de vol par jour. C'est-à-dire qu'aux environs du 10 mars, il y avait 100 000 avions par jour qui décollaient et qui atterrissaient. C'est tombé le minimum jamais vu, on est tombé à 23 000 à la fin du mois d'avril. On a vu là, à ce cas-là, la planète commencer à respirer. On a vu les arrêts d'émissions massives de CO2, de dioxyde de soufre, de microparticules partout. Puis bon, on a vu la nature reprendre un petit peu, bon, quelques droits. Hein. Bon, malheureusement, je vais pas vous rassurer, mais ça a été largement insuffisant pour que ça change l'ordre des choses. Tout ce qu'on va voir, là, on regarde en ce moment les collègues de l'INED, on va avoir un petit peu de perte d'espérance de vie en France, mais très minime, hein, durant l'année 2020. Et quand on compare le nombre de morts ramenés classiquement à des événements de la grippe de 2018, de 2019, bon, on est un petit peu au-dessus, hein, mais vous allez voir tout à l'heure, ce n'est pas des chiffres gigantesques. Hein. Donc c'est vrai que malheureusement, ça sera largement insuffisant pour inverser les tendances délétères dont je vous parle depuis que je viens vous voir, effectivement, en matière de changement climatique. Donc on va regarder sur des images. Alors je vais vous passer des images que vous avez déjà passées, et ça me permet effectivement de rebondir à travers justement le prisme de la lecture de la Covid-19. Bon, là, je vous ai mis un écosystème tout sympa, c'est la forêt tropicale humide, en France, en Guyane, hein, peut-être 40 000 espèces au kilomètre carré, c'est un camp du CNRS qu'on a là-bas, et l'équivalent marin au-dessus, c'est le récif corallien, on reste en France, Nouvelle-Calédonie et le récif du Grand Sud, 5 à 6 000 espèces au kilomètre carré, 500 espèces de poissons sur un kilomètre de côté, on n'a pas ça en France. Montrer un petit peu la richesse de ces systèmes particuliers. Et le corail est en train de s'effondrer. Vous verrez des images tout à l'heure partout, il s'en va. On a perdu plus de la moitié du corail depuis une quarantaine d'années. Donc, des écosystèmes qui sont effectivement très riches, marins et continentaux, mais qui sont très abîmés. On perd aujourd'hui sur la forêt tropicale humide. On peut faire l'image complète, parce que là, c'est que la partie qui est réduite, non? Je ne sais pas si on peut agrandir l'image. Oui, parce que là, ça ne marche pas, là. Il faudrait revenir sur la partie entière, là.
C'est moi ? Ah oui, d'accord, c'est moi. C'est, oui, c'est très juste. Très juste. Je rouspétais, effectivement, c'est moi qui peux. Alors, que je me repère sur le clavier ici, voilà. Il est, voilà, c'est bon. Voilà, c'est quand même bien mieux comme ça. Voilà. Donc, écosystème corallien en mer, écosystème de forêt tropicale humide, c'est parfait. Et puis, voici comment l'humain aujourd'hui fait vivre le système ici avec Shanghai, une ville où vous avez la moitié des Français. Donc, vous imaginez bien que l'influence sur les milieux est gigantesque. Shanghai, c'est une tour Montparnasse par jour. Shenzhen, hein, près de Hong Kong, j'y étais allé il y a plus de 40 ans, tout petit village de pêcheurs. Aujourd'hui, c'est incroyable. Donc, ça veut dire qu'il y a un développement d'une vélocité absolument fantastique et impressionnante, qui forcément a des impacts sur l'environnement, c'est absolument évident. Alors, en fait, aujourd'hui, quelques courbes nous inquiètent, alors que, bon, bien sûr, on est toujours l'espèce qui est dominante, croit-on, hein, qui... On va voir tout à l'heure comment ce petit virus de 15 gènes nous rabat le caquet de façon considérable, finalement. Si vous allez jusqu'au bout, pensez à ce à quoi vous avez pensé durant le confinement. Vous êtes interrogé sur vous-même. Vous avez vu l'importance du milieu familial. On a fait beaucoup de misère aux femmes durant le confinement, beaucoup de misère aux enfants. J'ai plein d'amis qui me disent aujourd'hui, si je reconfine, pas avec ce mec-là, hein, j'en prends un autre. Ou pas du tout, ou mieux, pas du tout. J'ai un ami qui est procureur de la République à Bordeaux, elle me dit que les problèmes d'agression sur les femmes ont été monstrueuses, et Bordeaux n'est pas pire qu'ailleurs. Donc ça veut dire que c'était très compliqué dans des petits appartements étriqués où chacun avait son travail à domicile, c'était pas simple. Donc ce n'était pas encore gagné. Toujours est-il qu'on a quand même beaucoup introspecté sur sa vie, on a beaucoup réfléchi, et on s'est demandé un petit peu ce qui allait se passer et comment on allait faire dans le futur après. Alors ces courbes nous inquiètent, ce sont les courbes du GIEC, en haut ici, il y a juste un an, 25 septembre 2019, juste un an, c'est la courbe donc de l'élévation de la température moyenne de la surface de l'océan ou de la température de l'air depuis 140 ans à peu près. Vous voyez que c'était à peu près tranquille, puis c'est parti là. Ce qu'on appelle l'accélération de l'anthropocène. Et l'équivalent en température, c'est ça, c'est la montée du niveau de la mer. Depuis, alors là, c'est depuis une vingtaine d'années. La mer, juste deux chiffres, j'aime bien les chiffres, vous le savez bien. Il y a 19 000 ans ici à Rennes, la température de l'air était 4 degrés plus basse. Et l'océan, le plus proche, il était à 125 mètres plus bas. Pas 5 cm, 125 mètres. Donc vous imaginez que ça a changé tellement de façon considérable, bien sûr. Les humains d'époque, bah écoutez, ils se baladaient, ils arrivaient au bord de la mer. Que ce soit là ou ailleurs, ça leur était égal, il n'y avait pas de ville. Aujourd'hui, quand vous regardez le système des villes de la planète, cherchez-moi les grandes villes qui ne sont pas au bord de l'océan. 55% des humains habitent au bord de la mer. Et toutes les grandes villes du monde, si j'enlève effectivement Paris, Moscou, Chicago, toutes ces grandes villes, elles sont au bord de la mer. Jakarta, on va la déménager. On va laisser les pauvres malheureux s'entretuer à Jakarta et on fait une capitale nouvelle au Kalimantan, sur Bornéo de l'autre côté. Rio, toutes ces villes incroyables, elles sont toutes... New York, si on arrête de pomper l'eau dans le métro de New York, il est sous l'eau le lendemain. Bangkok est quasi sous l'eau. Donc ça veut dire qu'on est sur des questions très importantes. Et quand je parle avec le maire de Lacanau, près de chez moi, en ce moment, je suis à Bordeaux, pour lui, la remontée du niveau de la mer, ce n'est pas une élucubration d'écolos farfelus. Hein. C'est un réel problème. Comment va-t-on retirer ce que l'humain a mis au bord de l'eau pour les mettre où ? Et si je prends des petites îles, l'île de Ré, parce que je connais bien l'île de Ré, vous vous rappelez, Cynthia ? Au moment de Cynthia, l'île de Ré redevient trois îles. Sur une tempête d'une nuit, eh bien, les trois îles initiales, bien sûr, que l'homme maintenant a rapprochées, quand vous vous éloignez du trait de côte, ben vous arrivez de l'autre côté de l'île. Et ça, c'est compliqué, bien sûr, par rapport à un écosystème où vous êtes loin. Donc, ça pose des questions extrêmement importantes. Donc, ça, c'est l'inquiétude, effectivement. C'est notre intranquillité qui est concernée par ce climat qui change. Alors, ça, c'est sur 18 ans. Hein. Sur 18 ans, la mer remonte 4 fois plus vite en France. 4 fois plus vite. Hein. C'est 4 mm par an, alors que pendant 5000 ans, elle était remontée de 20 mm. Donc là, on prévoit des choses de dizaines de centimètres pour la fin du siècle. Et croyez-moi que ça va changer considérablement la cartographie du littoral français. Des terrains incroyablement chers aujourd'hui, je prends le Cap Ferret, par exemple, à Bordeaux, ou bien des terrains en Méditerranée, qui sont très chers. Demain, ce n'est même pas l'espace d'une génération. Leurs enfants vont en profiter, pas les petits-enfants. Hein, ça sera sous l'eau. Donc c'est vrai que c'est des choses qui sont très... La Camargue, ça fait presque 1000 ans que les Camarguais luttent contre l'océan. On a fait une série de digues, une deuxième, une troisième. Il n'y a pas de quatrième possible. Donc vous voyez que tout ça, c'est des choses qui sont très préoccupantes. Alors je ne suis pas là pour vous coller la trouille, ce n'est pas mon message du tout. Hein. C'est pour nous dire à tous,
prenons ceci en considération. Et quand je sais que le monde politique, quel qu'il soit, chaque fois que j'en parle de ça, il me dit, ben oui, Gilles, on t'aime bien, on écoute tes conférences, c'est sympa. Mais tu comprends, on n'a pas le temps pour l'instant, on verra ça après. On n'a pas le temps de mettre ça à après. Et voilà pourquoi ce confinement devrait être l'électrochoc collectif, salutaire, dont on a besoin. C'est ça un peu ma démarche d'aujourd'hui et le contexte de mon exposé de ce soir. Donc la biodiversité, je vous ai mis ici ma chouchoute, je vous l'avais présentée l'an dernier ou l'année avant. C'est la petite grenouille de Darwin qui vit qu'en Patagonie, puis qui s'en va parce qu'elle ne supporte pas les eucalyptus. On enlève ces grands arbres, araucaria, entre 1000 et 3000 ans de Patagonie, qui sont là depuis toujours, qui font le climat de la Patagonie. On les coupe pour les mettre à la place des eucalyptus. Et ma grenouille n'aime pas les eucalyptus. Elle s'en va, ma grenouille de Darwin. On va dire, mais on s'en fout de ta grenouille, on ne la connaissait pas ce matin. Ça ne fait rien. C'est vraiment l'image de quelque chose, si vous voulez. Et puis lui, c'est le petit dernier de la biodiversité. Il est là, voilà. Alors voilà le truc, quand on me dit souvent, mais vous savez, professeur, les espèces s'en vont. Oui, c'est vrai, bon, on est embêté, c'est vrai qu'on fait des bêtises. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il y en a qui apparaissent? Ben voilà un qui est apparu, voilà. Et puis, il nous empoisonne l'existence. Coronavirus 19, le coronavirus de quelque part en 2019. Il est tout neuf, c'est pour ça qu'il est infectieux comme ça, sinon il ne serait pas comme ça en fait. On l'a jamais, en 50 000 ans, on ne l'a jamais vu. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir, et ça c'est un thème qui m'intéresse beaucoup en ce moment, c'est pourquoi en Asie, alors qu'il y a eu énormément de gens contaminés, il y a beaucoup moins de mortalité ramenée aux gens contaminés. Il y a un joli papier dans Nature la semaine dernière qui nous dit « immunité croisée ». Il est probable qu'en Asie, depuis 50 000 ans, ils ont rencontré des virus, pas celui-là, des trucs très proches. Et l'immunité croisée fait qu'effectivement, c'est assez proche. Donc on a une certaine reconnaissance par le système immunitaire de l'individu de ces virus qui ne sont pas entièrement nouveaux pour eux. Et donc ça cogne beaucoup moins fort en mortalité que chez nous. Nous, en Europe ou en Amérique, c'est la cata, parce qu'on ne l'avait jamais rencontré, en fait. Donc vous voyez que c'est intéressant. Donc je vous encourage à vous vacciner cette année contre la grippe. Faites-le tous, ça c'est vraiment important. Toutes les classes d'âge ici sont quand même plutôt proches de la mienne. Il y a quelques jeunes. Mais vaccinez-vous contre la grippe, parce que ça c'est pas contre le coronavirus, mais ça vous aidera à ne pas choper une grippe sur des prédispositions du corona. Donc voilà, il est apparu, et puis il s'est mis finalement à exister. Et pourquoi il est apparu? Parce qu'on a ouvert ses failles. Un virus, c'est quoi? C'est un parasite. Ces parasites étaient là au tout début de l'histoire de la vie. On a trouvé, il y a quelques années, dans les temps de taux, un micro-organisme, un protiste. Donc il a un noyau, celui-là. C'est une grosse cellule à noyau. Donc une bactérie, elle est déjà bourrée de virus. Ça veut dire qu'en fait, dès le départ de l'origine de la vie, les virus se sont installés, en fait. Donc je répète, parasites qui ne savent pas se reproduire tout seuls. Il faut aller chercher dans une autre cellule la machinerie moléculaire pour qu'ils puissent se dupliquer. Puis après, il a fait exploser. Il va utiliser son hôte pour se diviser, exploser, puis passer comme ça, infecter celle d'à côté. Et donc, il faut lui offrir ses failles, là. Et là, on n'arrête pas de lui offrir des failles à notre coronavirus. Alors, c'est pour ça, d'abord, qu'il est apparu, et deuxièmement, c'est pour ça qu'il a réussi à se disséminer comme ça partout. Vous imaginez 100 000 avions par jour qui l'ont emmené partout. Il y a presque tous les pays du monde, je crois que ceux qui ont dit qu'ils ne l'avaient pas encore, c'est parce qu'ils ne l'ont pas cherché ou pas trouvé. Mais sur les 195 pays de l'ONU, il doit y en avoir 155 qui ont révélé effectivement des problèmes de pathologie liés au coronavirus. Et c'est sûr que ceux qui avaient des liaisons, par exemple avec la Chine, ont été touchés beaucoup plus fort que les autres. Donc vous voyez qu'on commence à sentir un comportement humain un peu curieux. Pourquoi il est apparu? Promiscuité, on l'a dit, entre espèces domestiques, on va y revenir, et espèces sauvages, vivantes sur le même marché. Et puis ensuite, bien sûr, la dissémination effarante que l'on a connue. Avant, les pestes, elles venaient par bateau, elles mettaient quelques mois, quelques années. Vous vous rappelez l'arrivée des bateaux à Marseille, on a des textes magnifiques, où en fait, les bateaux, là, ils ne s'embêtaient pas, ils sacrifiaient le bateau, on brûlait le bateau avec les gens dessus, et puis les bactéries de la peste, c'était tellement dangereux. Puis certains trichaient, ce bateau qui débarque à Marseille illégalement, puis qui met la peste partout à Marseille. Donc c'est vrai que on n'en est plus à ces méthodes-là, on est bien d'accord, c'est clair, mais il faut songer à la façon dont ces êtres vivants se disséminent. Donc, le coronavirus, on va faire avec. D'ailleurs, si vous m'aviez dit il y a un an quand je suis venu que ma prochaine conf, je la ferai avec un masque, on n'aurait pas cru que c'était possible. Et puis, vous voyez, bon, je laisse là mon masque, je suis assez loin de vous, donc je peux parler sans masque. C'est un peu énervant de parler dans un masque. On s'auto-étouffe. Donc, ça, je vous avais parlé aussi. Alors, les questions, est-ce qu'on est mangé ou être mangé? Lucie, chaque matin, il y a 3,2 millions d'années, se posait la question, est-ce que je vais manger aujourd'hui? Est-ce que je ne vais pas être mangé aujourd'hui? Les questions environnementales que vous connaissez bien, avant la Covid aussi, donc énergie, eau, biodiversité, climat, etc. Du feu à l'énergie nucléaire.
Et puis toutes nos technologies qui sont les biotech, le numérique, les nanotech, la robotique. Et ça, il y a eu très joli papier durant le confinement qui nous montre justement que malgré tous ces vœux pieux, nos dominations de ce qu'on appelle IA, intelligence artificielle, qui au départ était informatique augmentée, pour moi, un robot, il sera toujours con, hein, de toute façon. Il ne sera jamais au niveau d'un ver de terre ou d'une limace. Il sera toujours un être vivant et infiniment. Par contre, il sait faire merveilleusement des choses. Hein. Aller faire une soudure à 4 km de profondeur, mon ver de terre, il ne sait pas. Et moi non plus. Et le robot, il sait faire. Donc, je pense que ce sont des outils de l'humanité. Mais arrêtons de dire qu'un jour, les robots sont plus intelligents que les humains. Ça n'a pas de sens. Alors, après, est-ce qu'ils prendront le pouvoir ? On revient à l'histoire de la science-fiction qu'on évoquait tout à l'heure. En tout cas, là, on en est loin. Parce que le coronavirus, il n'en a rien à faire des robots. D'ailleurs, il ne les parasite pas, d'ailleurs. Et puis, ben, simplement, lui, il s'attaque aux humains parce que c'est une chance pour lui d'être passé de son hôte originel, le Rhinolophus affinis, une chauve-souris chinoise, pratiquement que chinoise, et d'être passé à l'humain, alors qu'au départ, il ne savait pas le faire. Donc, le vivant sur la Terre, je vous le rappelle, ce sont des bactéries. N'oubliez jamais ça. C'est ça. Nous sommes un monde de bactéries. Tous ici dans la salle, moitié de bactéries et moitié de cellules humaines dans un corps humain. Le drame, c'est qu'aucun polytechnicien, aucun énarque ne sait ça. On ne leur a pas dit à l'école maternelle que c'était fait de bactéries, les trous de nez, les yeux. On est beau quand même, il n'y a pas de problème. Mais on est fait de bactéries, on ne bouffe que ça. Il y en a partout autour de nous qui sont infiniment plus utiles que délétères. Il y en a quelquefois, hein. Un Vibrio cholerae vous fait une toxine qui va vous déshydrater. Hein. Mais n'empêche que des millions de micro-organismes partout, votre lit, vos oreilles, votre nez en sont pleins, encore une fois, on vit dedans, vous ne mangez que ça. Beaucoup de produits que vous mangez, vous ne pourriez pas les digérer sans ces bactéries. Donc, on est vraiment dans un monde de bactéries, il ne faut jamais l'oublier. Hein. Et puis, ça, c'est les protistes, hein. Je les aime beaucoup, les protistes, puisque c'est les micro-algues de l'océan. Ce sont aussi les levures. Or, sans levure, ben, il n'y a pas de pain, il n'y a pas de vin, il n'y a pas de bière. Hein, il n'y a pas de fromage, donc quand même, c'est utile quand même pour l'homo sapiens français. Hein, parce qu'un français, s'il n'a pas ça à bouffer, il n'existe pas. Hein. Donc vous voyez que, tiens, ben oui, c'est vrai. Alors les protistes sont de grosses cellules à noyaux qui sont uniques aussi, elles ne sont pas dans un organisme, hein, partout. Celles-là, ce sont des dinoflagellés de l'eau de mer qu'on met dans ce qu'on appelle globalement le phytoplancton, le plancton végétal. C'est extrêmement important, je vais revenir tout à l'heure à ça. Les champignons, les plantes, hein, donc les lichens aussi, donc ça c'est après une éruption volcanique sur le piton de la Fournaise à La Réunion. Et puis les animaux, alors j'ai mis un chouchou, un tardigrade, hein, c'est comme une petite grenouille de Darwin, j'ai quelques chouchous comme ça que j'aime bien. Il est génial parce qu'il sait tout faire. Puis lui, il sera là bien après que les humains aient été complètement, se soient autodétruits en fait. Quand on dit l'humain va tuer la vie, c'est pas vrai, ça tient pas debout. Hein. Par contre, les éléphants, les girafes, les baleines, les rhinocéros, les hippopotames, eux, ils sont bien embêtés effectivement avec l'espèce humaine. Alors je rebondis sur un papier d'un collègue qui s'appelle Paul Ehrlich, qui écrit il y a quelques années « Can a collapse of global civilization be avoided ?» Est-ce qu'on peut interdire un effondrement de nos civilisations ? Voilà, le débat est lancé. Et vous allez voir que la Covid-19, ben, nous amène quelques éléments de réponse. Si on fait comme ça, oui, nous ne pourrons pas effectivement maintenir nos civilisations. Est-ce que ça va être ce que j'appelle souvent, je fais un papier qui sort la semaine prochaine, vous pourrez le trouver, qui s'appelle la Covid-19, 2. Un électrochoc collectif salutaire. Je souhaite de tout mon corps, de chaque cellule de mon corps, qu'il soit salutaire. Mais vu comment ils réagissent, je ne suis pas convaincu. Quand j'écoute les compagnies aériennes qui n'ont qu'un mot à la bouche, quand est-ce qu'on va revenir au nombre d'avions qu'on avait avant ? Mais ce n'est pas la question, ce n'est pas possible de faire ça. Ce n'est pas possible. Où est la mesure ? Où est l'harmonie entre l'humain et le non-humain ? Il voit Ryanair qui revend à 100 000 billets à 5 euros. Ce n'est pas possible. 5 euros, je ne paye pas l'impact des avions sur l'environnement. Je ne tiens pas compte des externalités, des cancers des seins, du sein chez les jeunes femmes. Pareil pour les pesticides. Donc vous voyez que, pareil pour la surconsommation de viande. Donc, encore une fois, ce n'est pas question de tout interdire. Ce n'est pas du tout mon style de vie. Hein. Simplement, c'est que retrouvons de la mesure. Retrouvons en fait de la sobriété. Hein, et arrêtons un hyper-consumérisme si on veut rééviter ça. Le seul endroit où il n'y a pas de vivant sur la Terre, c'est là. Sont les laves de volcans. 1200 degrés, bah, il n'y a plus de vivant là-dedans. Il n'y en a jamais eu. Alors voilà, les mouvements. Pourquoi est-on intranquille ? Bah, regardez, effectivement, bah, ça c'est typique. Pourquoi c'est venu ? C'était avant la Covid-19. Hein. Donc on est en novembre 2018, ces mouvements sociaux apparaissent. Pourquoi ? Parce qu'on a décidé, sans mesure sociale antérieure, d'augmenter le prix du gasoil. Quelques centimes. Et ça ne va plus.
Hein, ces gens-là sont poussés à bout, ça part sur les réseaux sociaux. Hein. Ouais, c'est pas possible, le gasoil est passé, je ne sais plus comment c'était à l'époque, de 1,10 à 1,22, j'en sais rien. Toujours est-il que c'est la goutte qu'il faut déborder le vase. Et ils vont sur les ronds-points. Et on retrouve de tout dans ces gilets jaunes. Très difficile de dire qui est gilet jaune, en fait. Moi, globalement, je les prends. Il n'y a pas d'image. C'est un mélange. Après, il y a eu des mouvements extrémistes qui s'en sont mêlés, d'extrême droite, d'extrême gauche, mais au départ, ce n'était pas des gens violents. Et puis après, ça a évolué vers des mouvements. Et en fait, c'est la résultante d'années de négligence. Edgar Morin disait, je vais revenir à Edgar, qui disait en fait au président Macron, vous savez, monsieur le président, quand on gouverne comme ça, en oubliant une partie des gens, le premier gourou qui passe, il gagne. Regardez ce qui s'est passé aux États-Unis, au Brésil, en Italie. Des gourous, même en France, on a quelques gourous aussi. Hein. Or, ces gourous sont incapables de résoudre nos problèmes actuels, autant sociaux d'ailleurs qu'environnementaux. Mais ça veut dire aussi qu'on ne résoudra jamais nos questions environnementales sans des mesures sociales. Chaque fois que le climat change, chaque fois qu'une pollution apparaît, elle a des impacts sociaux. Donc c'est là qu'on n'a pas pris la mesure de tout ça en fait, au démarrage. Donc là, il y a un énorme effort à faire. De rééquilibrage, et puis aussi, alors c'est pas de revenir à des systèmes où tout le monde est exactement pareil, c'est pas ça. Pour moi, le premier rééquilibrage, c'est hommes et femmes. Hein. Si les femmes étaient non pas remises, mais mises depuis le départ dans la position qu'elles devraient avoir dans la société, vous êtes, mesdames, un peu plus nombreuses que les garçons. En bébé, il y a un peu plus de garçons que de filles, à 20 ans, il y a plus de filles. Ça veut dire que le monde serait très différent. Très, très différent. Les prisons en France, 92% de garçons. 92%. Ça, c'est 52, 48, 92. Alors, j'ai une amie qui me dit, je ne paye plus mes impôts. J'en ai marre de payer des impôts pour payer des mecs qui ont violé des filles et qui sont en prison. Bon, d'accord. Mais tout est à l'avenant. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces mouvements? Qui a fait le travail fantastique en France sur le terrain? Est-ce qu'on a oublié que 50% des Français travaillaient pendant le confinement? Des infirmières, des aides-soignantes, des médecins. J'enseigne à la fac de médecine à La Pitié. Les trois quarts de médecins seront des femmes. 90% dans les écoles veto aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'effectivement, il y a des choses qui sont très intéressantes à se pencher dessus au niveau social pour voir comment ça se passe, bien évidemment. Donc ces mouvements-là, oui, ils sont la résultante de la non-prise en compte de leur existence. Aussi, je dois reconnaître, d'une espèce d'arrogance vis-à-vis d'eux. Et puis aussi, bien sûr, du fait que... Il s'était peu exprimé jusque-là. Et puis après, les mots vont dégénérer parce qu'on va faire croire aux gens que plus on est violent, mieux ça marche. Et j'y crois pas non plus beaucoup. Donc c'est vrai que c'est pas simple. Et puis on arrivera à ce que dira Jean Covici, donc juste au démarrage du mouvement. Il dira d'un côté, c'est la fin du mois. Et en face, c'est la fin du monde. Et ça, c'est terrible parce que la fin du mois, elle revient tous les mois. Et quand ça revient tous les mois, on oublie la fin du monde. La fin du monde, aujourd'hui, on a dit, c'était le changement climatique accéléré, l'effondrement du vivant, qui amène, je vous l'expliquais, la genèse de ces maladies pandémiques avec ce petit Covid-19. Donc au départ, ça je vous l'avais montré aussi, donc on part sur de l'ancestral, donc du monde minéral. Cette météorite elle raconte l'histoire de la Terre, hein, puisqu'elle tombe dans un champ à Toulouse en mai 1864. Et c'est là que c'est génial, parce qu'il y a un paysan la ramasse. Souvent on me demande, mais c'est quoi la différence entre un humain et un animal? Aucun animal n'aurait ramassé la météorite d'orgueil, ce petit village des Tarn-et-Garonne, jamais. Il l'a ramassé, il s'est brûlé avec ce paysan. C'est génial, il n'y a qu'un humain qui fait ça. Pourquoi il l'a ramassé? C'est bizarre, rien ne s'est passé, un truc, je la ramasse, je me brûle. Et puis on la met dans une caisse à oignons, elle passe 120 ans dans une caisse à oignons dans le jardin. On la retrouve en 2005, et elle va finir devant les plus puissants outils de géochimie qu'on ait à Paris, et dans le monde, qui s'appellent des nanosondes, rue Buffon à Paris, et on la date. 4,6 milliards d'années. Ce caillou est contemporain de la mise en place du Soleil et de la Terre. Donc quand vous le caressez, ça change tout, vous avez le palpitant. C'est moche comme tout. Alors là, si, depuis avant-hier, on venait à Paris voir la collection fabuleuse qu'on présente avec Van Cleef en ce moment et Arpels de gemmes. Vous verrez le diamant bleu, la copie du diamant bleu de Louis XIV. C'est beau à pleurer, à tomber par terre. Hein. Ça, c'est moche comme tout. Mais ça nous permet de raconter une histoire incroyablement plus exceptionnelle. L'histoire de la Terre et l'apparition de la vie un peu plus tard dessus, il y a 4 milliards et demi d'années, et la vie vers à peu près un peu moins de 4 milliards d'années, 4 000 millions d'années, la vie apparaît sur la Terre. Donc c'est vrai que tout ça, ça va changer. Alors l'océan est très stable, hein. Sa composition est restée au moins la même depuis 100 millions d'années. Et puis bien sûr, on va passer ici de l'eau douce, hein. Il y avait des fleuves, il y avait des rivières, l'eau de mer ici. Ça c'est quoi ?
Ça, je vous l'avais raconté aussi, ça. Ben, c'est quoi? C'est votre sang en ce moment. Je vous l'avais dit. Pourquoi est-ce que votre sang en ce moment, c'est ça? Un estuaire, c'est ni de l'eau douce, ni de l'eau de mer. C'est votre sang. Pourquoi? Vous regarderez avec amour votre prochaine prise de sang. Hein, vous regarderez. Hein. Vous verrez 140 millimoles de sodium. Vous verrez, que je ne raconte pas de crack, hein, c'est comme ça. Et 105 millimoles de chlorure. Tous ici dans la salle, garçons, filles, jeunes, vieux, beaux, pas beaux, 142 millimoles de sodium. C'est comme ça. Depuis la Terre tourne, depuis qu'il y a des humains sur la Terre. Et bien simplement, c'est la trace ancestrale de l'apparition de la vie dans l'océan. L'humain la raconte à travers son sang. Et ça, c'est intéressant, c'est l'eau saumâtre d'un estuaire. Quand la Vilaine se jette à Arzal, là, c'est comme ça. La Gironde aussi, bien sûr, près de Bordeaux, c'est la même chose. Donc c'est intéressant parce que ça raconte des histoires. Et si on ne connaît pas le passé, on a du mal à imaginer l'avenir. Ici, vous avez le plus ancien fossile que l'on a à Paris, des cyanobactéries, datées à 3,45 milliards d'années, elles viennent d'Australie. Et ça, c'est les mêmes que j'ai ramassés tout à l'heure. Je suis allé faire un excellent dîner tout à l'heure là, avec Maëtte et avec Michel. Il y a une flaque d'eau, vous verrez en sortant tout à l'heure. Il y a une flaque d'eau, il a plu là. Et bien, cette flaque d'eau, il y a des cyanobactéries comme ça. Celles-là, là, c'est les mêmes. Elles ont presque 4000 millions d'années d'histoire évolutive différente. Elles sont toujours là. Alors, je ne sais pas s'il y a des chefs d'entreprise ici dans la salle. Le rêve d'un chef d'entreprise, c'est une entreprise durable. Je vais durer. Parce que moi, je suis bon, je fais attention, je vais gagner des sous en durant longtemps. Il n'y a rien de mieux que la vie. La plus belle entreprise qui ait jamais existé sur notre planète, c'est la vie. 4 milliards d'années, des milliards d'êtres vivants différents. Il nous en reste peut-être 2% aujourd'hui. Et on ne s'en occupe pas. On a oublié qu'on est fait de bactéries. Un bébé humain à la naissance. Trois quarts d'eau. C'est pas fait pour laver sa bagnole. Laisser la pluie rennaise laver les voitures. Donc ça veut dire qu'un bébé humain qui naît au moment de la rupture de la poche des os, il y a des mamans, je suppose, dans la salle ici qui ont eu des bébés ou des papas qui ont assisté à l'accouchement. C'est fantastique. À ce moment-là, les bactéries du tractus de la maman se précipitent pour aller, on dit contaminer, ensemencer ce bébé. Et ce bébé a vie. Il va installer sa fleur à lui, que à lui. Et qu'est-ce que cible le coronavirus? Ah, c'est super intéressant pour moi. Il cible les gens qui, justement, ont perdu le dialogue entre leurs cellules humaines et ces bactéries qui sont symbiotes dans ce corps. C'est l'obésité, c'est le diabète de type 2. C'est Alzheimer, c'est l'autisme. C'est aussi le manque d'activité physique qui est très important là-dedans aussi. C'est l'hypertension artérielle. Qu'est-ce qu'il a tué, le coronavirus? La moyenne des gens qui sont morts, c'est 81 ans en Europe. Vous savez que la durée de vie des femmes en France, c'est 84 en ce moment. Des garçons, c'est 80. Donc, ils tuent des gens qui n'étaient pas loin de la fin de l'espérance de vie. Ils tuent des gens 84% obèses. Les trois quarts, diabète de type 2, hypertension artérielle. Tous ces gens ne faisaient plus d'activité physique depuis longtemps. La malbouffe. Manger moins, beaucoup mieux. Payez un peu plus cher ce que vous mangez. C'est tellement important pour vous. On est le reflet de ce qu'on mange. D'ailleurs, demain, si on arrête de mal payer le monde agricole en achetant de la bouffe qui ne vaut rien du tout, mais qui ne vaut rien, si on commence demain à payer correctement nos produits agricoles, il n'y aura plus de pesticides et on réglera beaucoup de nos problèmes aujourd'hui. Donc, vous voyez que tout ça est très, très lié et c'est compliqué à comprendre pour un homme politique. Hein, il a du mal à s'en sortir. Hein. Tout est lié, en fait. Hein. Les effets papillons, vous rappelez à l'époque, en disant que si on touche à ça, ici, ça va affecter autre chose. C'est très important dans cette question-là. En tout cas, la Covid-19 tue des gens qui déjà étaient en énorme majorité en détresse physiologique. D'abord, ils tuent peu, hein, puis 85% des gens n'ont aucun symptôme, même pas un rhume, il n'y a rien, on ne voit rien. Dans ceux qui sont malades, alors différentes gradations, mais ceux qui vont en mourir sont des gens au-dessus de 80-90% qui déjà auparavant avaient des problèmes physiologiques. Voilà, bon, l'eau, ça c'est Atacama, c'est le désert le plus sec de la planète, il ne pleut jamais, il n'a pas plu depuis la conquête espagnole. Et tous les 12 ou 15 ans, sur la périphérie du désert, lors d'un phénomène El Niño, le Niño en castellano, c'est le Christ, hein, c'est le Jésus à Noël. El Niño, c'est ça. Et ce phénomène se produit effectivement en fin d'année. Et il fait que les vents s'inversent dans le Pacifique Sud. Et là où il ne pleut jamais, il se met à pleuvoir. Et là où effectivement il pleut, il ne pleut plus. Parce que les températures changent et on voit les vents qui vont souffler d'Indonésie vers les côtes d'Amérique du Sud. Alors, en général, c'est l'inverse, bien sûr. Hein. Et regardez ce qui se passe à ce moment-là. Voilà, ça s'appelle le désert fleuri. C'est le miracle de la vie. Si je mets de l'eau dans un désert,
Alors, vous imaginez bien, pour que ça se passe en 3 semaines, tout était déjà là. Les graines sont là depuis, elles attendent depuis 20 ans. Elles attendent un peu d'eau. Et là, l'humain peut s'amuser à jouer au dieu, ici, au Soudan. On va capter le Nil, c'est le fleuve qui est là, et puis il y a de l'eau dans le désert et créer du vivant. Donc, c'est vrai que l'eau est tellement importante. Ici, dans ce pays qu'est la Bretagne, on a massacré notre eau, on l'a souillée, on l'a gaspillée. Ça, c'est épouvantable. Nos anciens ne faisaient pas du tout. Rappelez-vous toutes les mythologies, religieuses ou pas, liées aux fontaines en Bretagne. La fontaine, elle était magique. On en prenait soin, mais comme à la prunelle de ses yeux. On savait très bien que c'était la vie de la petite tribu, la petite commune, le petit village qui était là. Puis après, on a fait des énormes systèmes où on ne sait même pas d'où vient l'eau que l'on boit. Hein. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On dilue la pollution. Tel département est vraiment de très mauvaise qualité, bon, on va diluer avec celui d'à côté qui est un peu moins bon, qui est un peu meilleur, hein, pour faire un équilibre entre les deux. Comment voulez-vous vous intéresser à l'eau quand vous faites des systèmes qui sont comme ça? Donc c'est là que c'est tellement, tellement important. Puis nous, je vais vous montrer des images juste après, c'est tellement facile pour nous. Ici à Rennes, on ouvre le robinet, on a de l'eau. Vous allez voir que ce n'est pas le cas de tout le monde. Hein. Donc l'eau est vraiment essentielle. Avant l'ADN, la molécule du vivant, hein, c'est l'eau, c'est l'eau. Toutes les cellules vivantes sont faites d'eau liquide. C'est pour ça que la vie est sur la Terre. Hein. Voilà, aujourd'hui, ça on l'avait calculé au moment de la COP21, toutes ces jeunes femmes africaines. Ça c'est simplement le nombre d'heures de travail en plus qu'elles vont faire. 40 milliards d'heures de travail pour ces jeunes filles. Simplement collecting water, aller chercher de l'eau. Ici, on n'a aucune idée de ce que c'est. Elles font 15 km, 30 km, 40 km avec un bidon chinois de plastique sur la tête. 20 fois, je me suis arrêté de mesurer le volume de ces bidons. 17 litres, 17 kilos sur un vélo, sur la tête, entre les bras. On va chercher de l'eau. Et quand vous faites ça, le drame épouvantable pour ces jeunes filles, elles ne vont pas à l'école. On met la démographie. On arrive à 8 milliards d'humains. J'aime bien les chiffres. Je vous disais, à température. 1945, Hiroshima, on est 2 milliards d'humains sur la Terre. On arrive à 8. On a dépassé 7-9, là. On a quadruplé la population humaine sur 70 ans. Donc c'est quand même considérable, bien évidemment, vous imaginez bien. Hein. Et c'est vrai que cette histoire de l'eau, elle est absolument essentielle. Elles ne vont pas à l'école. Il y a une courbe qui marche très bien. Plus vous éduquez une jeune fille, moins elle fait de môme. Ça, c'est clair, ça. Là, écoutez, alors, elles ne vont pas à l'école. Elles ne sont jamais propriétaires des terrains sur lesquels elles travaillent. Elles sont paysannes, ces femmes. Ce ne sont pas elles, ça appartient à un mec. Troisièmement, elles n'ont jamais de salaire pour faire ça. On ne les paye pas, les filles africaines. Puis, pour terminer, l'horreur, on fait des mauvaises rencontres en route parce que les gamins à 14 ans ont des kalachnikovs chinoises. $50 une kalach au Soudan, au Congo. Vous en achetez tous les jours si vous voulez. Toutes les munitions que vous voulez sont en Afrique aujourd'hui. Et donc, elles se font violer en permanence. Elles reviennent féconder en plus hein, quand elles sont allées chercher de l'eau. Donc, vous voyez que ça, c'est tellement, tellement important. C'est de l'écologie, hein, de base. Si on ne tient pas compte de ça, on ne s'en sortira pas non plus. La seule façon de gérer les questions d'immigration, c'est qu'ils ne partent pas parce qu'ils sont bien chez eux. Donc il faut qu'on les aide massivement à être bien chez eux. Nous, on peut en accueillir un petit peu, mais pas indéfiniment, on sait très très bien. Hein. Quelles que soient les idées qu'on peut avoir là-dessus, c'est évident. Ce qu'il faut, c'est être toujours humain dans des conditions de regard sur ce qui se passe. Sauver des gens immédiatement, oui, mais qu'est-ce qu'on en fait? Comment on fait avec eux? Donc simplement, les aider à être bien chez eux. Quand je parle avec eux, ils n'ont pas du tout envie de partir de chez eux. Vous n'avez pas envie de partir de Rennes. Quel est notre problème finalement si on va jusqu'au bout ici, tous dans la salle ici? Alors ici, il y a des gens qui sont employés, des chefs d'entreprise, il y a de tout, des hommes, des femmes, de bonne volonté, qui ont envie de vivre à Rennes. Je suppose que si vous êtes là, c'est que vous êtes, ça vous fait plaisir d'être là, sinon vous seriez parti ailleurs. Eh bien, la seule question, vous êtes heureux d'être ici? Vous avez une famille, des enfants, peut-être des petits-enfants pour beaucoup d'entre vous. Vous avez créé de l'emploi, j'admire beaucoup ça. Il y a un tissu économique. Mais à une seule condition, de faire ça sans détruire l'endroit dans lequel vous habitez. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Voilà le gros problème en ce moment que l'on a, c'est qu'on détruit les endroits dans lesquels on habite. On a dit la pollution de l'eau, on a dit la remontée du niveau de la mer, on a dit trop un emploi trop important de pesticides. Donc c'est vrai que là, on pêche des poissons, on prend des grands thons, c'est magnifique de manger du thon, mais n'en mangez pas trop souvent. Ils sont bourrés de méthylmercure. Ça, c'est bien une influence humaine. Donc, vous pouvez en manger une fois toutes les semaines, mais n'allez pas manger des sushis tous les jours de thon, ni des spadons. Alors, tout ça, ça relance le débat sur, effectivement, ce qu'on est, ce qu'on fait. Hein, les problèmes de développement du cerveau des enfants en relation avec des produits toxiques qui se trouvent aujourd'hui dans les sols ou dans l'atmosphère ou dans les cours d'eau, c'est très important à regarder.
Ça veut dire qu'il faut qu'on revienne à des vraies valeurs qui sont les nôtres, en fait. Hein. Comment est-ce qu'on fait pour effectivement créer une bonne activité économique, pas au détriment, bien sûr, par la destruction de l'endroit dans lequel on est, ou pire que ça, on ne détruit pas l'endroit dans lequel on habite, on détruit les endroits ailleurs, parce qu'on va acheter notre soja au Brésil en découpant en morceaux la forêt tropicale amazonienne. Donc ça, il faut qu'on y songe en permanence. Encore une fois, ce n'est pas des punitions, ce n'est pas une contrainte épouvantable. Et de se dire, voilà, je suis le reflet de ce que je mange, je suis le reflet du type de vie que j'ai choisi, j'échange avec d'autres, je suis heureux d'être là. Donc prenons le critère du bonheur. Hein, je vous disais, je me rappelle l'an dernier, je vous disais, mais depuis ce matin, tout ce que vous avez fait, qui ne sert à rien, mais à rien du tout, mais qui vous a apporté du plaisir et du bonheur. Où est-ce qu'on comptabilise ça? Dans quelles échelles? Ce n'est pas un produit intérieur brut qui va vous donner quelque chose là-dessus. Hein. Ce n'est pas des critères économiques classiques. Là, on est dans un système terrible d'économie où tout est ramené effectivement au profit économique. Et bien ça, c'est fini. Et c'est ça qu'il faut qu'on prenne en considération au travers de l'alerte de la petite Covid que je vais développer. Voilà, une goutte d'eau de mer, c'est ça. Depuis les origines de la vie, 4 milliards d'années, les grosses taches jaunes sont des protistes, les moyennes taches jaunes, ce sont des bactéries, et les tout petits points sont des virus. Une goutte d'eau de mer, où que vous alliez, c'est comme ça, partout. Et ça fait 98% ça, de la biomasse de l'océan. Les poissons, les baleines, c'est que 2%. Ça, c'est 13% des espèces connues sur la Terre aujourd'hui. Un sol, je suppose qu'il y a des gens du monde agricole ici dans la salle, moi je les aime beaucoup. Voilà un sol vivant. 2,5 tonnes de bactéries à l'hectare, 3,5 tonnes de micro-champignons, des collemboles, des acariens, des nématodes, des vers de terre, des tardigrades. C'est ça un sol vivant. Et on a tué la moitié de nos sols par une agriculture productiviste. Autant d'ailleurs la mécanisation que les questions de pesticides. Il n'y a pas que les pesticides. De reprendre ces sols en permanence, de les hercer et tout, c'est très mauvais. Et surtout, ne laissez jamais un sol nu. Un sol nu, c'est une cata. Ramener de la matière organique dans les sols. Ce qui veut dire qu'au niveau du monde agricole, c'est très simple pour moi. Quand je discute avec eux, tous, maintenant, ils commencent à l'admettre. Hein, je n'ai pas d'ennemis là-dessus. Tous, ils sont d'accord. Ramenons de la matière organique dans les sols et de la vie dans les sols. On ne produira pas à manger pour 8 milliards d'humains si on ne ramène pas de la vie dans les sols. Puis demain, 9 milliards. Donc ça, c'est essentiel. Ça, c'est deux fois plus d'espèces connues que dans l'océan. Vous imaginez l'importance de nos sols. Ici, en Bretagne, hein, un sol, c'est pas épais, un sol, c'est comme ça. Hein. Après, on est rapidement sur l'arène, ici. Donc, c'est tellement, tellement important. Puis, de temps en temps, un petit coquelicot, c'est sympa. C'est pas le but du paysan de faire des coquelicots. Mais quand vous faites 200 km en Bretagne sans voir un seul coquelicot, ben, y a rien en dessous. Prenez un peu de terre, vous verrez comment. Sentez-la. En Beauce ou en Brie, par exemple, on parle beaucoup des terres à céréales en ce moment, il n'y a plus rien. Donc ça veut dire que là, il faut vraiment revenir en arrière, il faudra un petit peu de temps, dépolluer et ramener de la vie dans ces sols. Mais c'est jouable avec le monde agricole, bien sûr, évidemment, pas contre eux. Troisième écosystème et dernier, bah c'est un bébé, justement, j'aime bien les bébés aussi. Ça, c'est l'intestin d'un bébé à la naissance. Vous voyez qu'il est quasi vide de bactéries. Ça, c'est les bactéries de l'utérus de la maman qui se précipitent pour aller contaminer ce bébé au moment de la naissance. Ça, c'est l'océan, la Manip-Tara, avec Tara Océan. Donc voilà les micro-algues qu'on a séquencées, qu'on a trouvées. On double le nombre d'espèces connues, 600 000 séquences ramenées entre 2009 et 2013. Pas connues auparavant, on ne connaissait pas ça. Des dinoflagellés, des diatomées, des coccolithophorides, les micro-algues de l'océan, hein, des gros protistes. Et puis, ben voilà, en bleu, là, je vous ai mis effectivement des gènes de ces micro-algues. En orange, c'est les gènes du bébé, là. Et en gris, ben c'est notre génome à nous. Ça, je vous l'avais dit aussi, ça veut dire que nous avons tous ici dans la salle un tiers de nos gènes en commun avec des algues du plancton. On vient du même monde. On appartient au même monde. Le but de cette entrée en matière, et je la raconte souvent, c'est je vais vous persuader d'une chose vraiment fondamentale. Si j'ai réussi ça, j'ai gagné ce soir. Persuadez-vous que nous sommes le vivant et la biodiversité. Chaque fois que vous allez l'agresser, vous vous auto-agressez. Ce qui est un peu stupide pour une espèce qui, elle-même, s'est appelée sapiens, l'homme sage. Regardez tout ce qui se passe en ce moment. On n'est vraiment pas sage du tout, en fait. On n'est pas savant. On a oublié les choses, mais tellement essentielles. Et ça, il faut le raconter aux enfants à l'école maternelle. Je suis en gros conflit en ce moment avec ce gouvernement sur l'enseignement, puisqu'ils sont en train de nous tuer dans les lycées, l'enseignement des sciences de la vie et de la Terre. Hein ? Demain, ça sera maths, physique ou lettres. C'est du délire complet. J'ai rien contre lettres et les maths, physique. Mais alors, elles sont où, les sciences de la Terre et les sciences de la vie? Elles sont complètement oubliées, en fait. C'est dramatique, ça.
Donc voilà, et ça c'est votre lit ce matin. Ça je vous l'avais raconté, je m'en souviens. Voilà, ça c'est votre lit ce matin, voilà. Alors, qu'est-ce qui est plus intime que votre lit, dites-moi? On ouvre un heure et je vais rester encore un peu. Il y a école aujourd'hui, aïe, 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 aïe. Non, c'est samedi, c'est bien, je reste encore un petit peu là. On va voir comment ça se passe. Alors en plus, mon truc, que vous dormiez tout seul ou à deux, ça marche mon histoire. Vous avez chaque matin dans votre lit, parce que vous y avez dormi, entre 1 et 2 millions d'acariens. Ben voilà, qu'est-ce qu'ils font? Ben écoutez, ils sont contents d'être là, ils bouffent vos poils, vos cheveux, toutes les cellules de la peau qui se sont desquamées pendant la nuit, vous avez frotté vos draps, ben, puis c'est comme ça. Ce qui veut dire que vraiment, on est dedans en permanence. Quand on me dit, ouais, mais ta biodiversité, c'est l'histoire des écolos. Enfin, mais non, pas du tout, c'est nous tous. C'est ça, la biodiversité, finalement. Hein. Et souvent, je montre toujours l'image qui est après. Ça, c'est le plancton. Quand on a fait Tara, on a pu démontrer, en fait, que dans l'océan, depuis les origines de la vie, il y a infiniment plus de coopération que de compétition. Quand on voyait en ce moment, par exemple, Christophe André, qui est un des grands penseurs de la méditation actuelle, qui dit, en fait, la coopération permet au maximum de survivre. La compétition permet à quelques-uns de survivre, à terme. Si on va vers une harmonie, si on va... Non, pas le monde est totalement... tout le monde au même niveau, c'est pas ça. En plus, le niveau, ça veut dire quoi? Je dis, dans la capacité de chacun de s'exprimer avec ses propres possibilités dans un monde dans lequel il est, et comprendre aussi que chaque fois qu'il commence à gêner le voisin, eh ben, c'est les limites. Il n'y a pas que les humains sur la Terre. Il y a les humains, et puis il y a 2,4 milliards d'espèces vivantes connues avec nous. Ils ont leur place. Nos nématodes, tout à l'heure, nos acariens, notre lit, ils ont leur place sur la Terre. En vertu de quoi, on irait, nous, dire, ben, j'en ai rien à faire, je ne m'en occupe plus. Ça, c'est intéressant, parce que quand on dit à un entrepreneur ce qu'on appelle le darwinisme social, c'est totalement débile. Darwin n'a jamais dit ça. Manger l'entreprise d'à côté, surtout pas. Coopérer avec, dans une saine coopération, avec des problèmes, bien sûr, je comprends très bien, de choses qui sont gardées secrètes pour une entreprise. Hein. Il faut innover en permanence. Pour innover, ça demande de faire des efforts qui sont rémunérés pour une entreprise, bien évidemment. Voilà, c'est ça la biodiversité. Qu'est-ce que nous serions tous dans la salle ici? Allez, soyez un peu honnête avec moi, deux minutes. Comment vivriez-vous sans le fromage, le pinard et le pain? Voilà. On va me dire, moi je ne bois pas d'alcool, moi je ne mange pas de... Si j'enlève le nickel découvert ici et puis effectivement le verre des bouteilles, c'est que ça. Et c'est notre vie de tous les jours depuis les origines de l'humain qui bouffe ce qu'il trouvait. L'humain est profondément omnivore au démarrage. Si Lucie n'avait pas mangé un peu de viande et les néandertaliens, on ne serait pas là. Donc ça veut dire que, par contre, ce qui est clair, c'est qu'il faut en manger beaucoup moins aujourd'hui, ça c'est sûr. 23 milliards de poulets sur la Terre. 1,3 milliard de vaches. Il y a plus de biomasse de vaches que de biomasse d'humains. Donc vous voyez que on sent un peu... Encore une fois, c'est comme 100 000 avions par jour. C'est la mesure qu'on n'a plus du tout en tête. On est dans la démesure en permanence. On est dans une fuite en avant, sans arrêt, plus de cupidité incroyable. Alors c'est pour ça, après, dans l'extrémisme, on va me dire, ouais, mais t'es pas contre les avions, contre la consommation de viande. La question, elle n'est pas là. C'est un petit peu, oui, mais dans la mesure, dans le plaisir, deux chiffres encore. Il y a 140 ans, ici, à Rennes, la consommation moyenne était de 1500 kilocalories par jour. On a 3000 aujourd'hui, c'est beaucoup trop, 3000 pour une femme qui ne bouge pas. Alors, bon, les gens, après, comment ils sont, évidemment. Hein. Et la Covid les cible, ces gens-là, bien évidemment. Donc, c'est vrai que, non seulement on en mange trop en kilocalories, mais en plus, on bouffe mal. Hein. Et c'est une chose qui me hérisse le poil depuis longtemps dans ce pays. Parce qu'on est pauvre, on doit mal bouffer. Ben, ça, c'est pas possible. C'est pas une démocratie, ça. Donc, ça relance tout le débat sur le coût des produits. Alors, payer un tout petit peu plus cher son alimentation, oui, je suis pour, parce que c'est tellement important, plus que le dernier écran plat ou le dernier téléphone portable ou la voiture un peu plus puissante. Non, le vrai truc, c'est manger bien, moins, dans des bonnes conditions. Et en vraie convivialité avec sa famille, avec qui vous voulez, bien évidemment. C'est tellement important. Et c'est quand ceci ne marche pas que la Covid aussi va taper. Et vous vous rappelez le fantasme des Français? Ça a été publié partout, le lendemain du déconfinement, deux fantasmes, aller chez le coiffeur et aller chez McDo. Ben voilà. Comprenez pourquoi des fois j'ai du mal à accepter que j'appartiens à la même espèce que ces gens-là. Quoi. Mais je suis sûr que vous êtes comme moi, hein. Comment vous ne seriez pas venu m'écouter? Donc les vaches, effectivement, la vache c'est bien, mais il y en a beaucoup trop. Et ces livres sont magnifiques de Marc-André Sellos. Je ne sais pas s'il est venu à Rennes déjà, Marc-André, ben voilà, j'adore ce personnage. Et il nous dit, en fait, un arbre, il n'est jamais seul, hein.
Et puis, un corps humain, c'est tous entrelacés. On est tellement un entrelac d'êtres vivants dans nous, sur nous, et de cellules humaines, on a plein de cellules différentes, des globules rouges, des neurones, des cellules du foie, des hépatocytes, des cellules des poumons que cogne le coronavirus, les cheveux, tout ce que vous voulez, les muscles, les adipocytes, tout ça, oui, mais en intime coopération avec d'autres organismes qui vivent avec. Et ils dialoguent entre eux en permanence. Voilà, ça c'était l'image un peu symbolique de l'humain. Il y a 37 000 ans à Chauvet, capable de faire ça. Qui dessine comme ça? Et surtout la question, pourquoi ils ont fait ça? Franchement, dans la vie de tous les jours, ça ne sert à rien. Je fais exprès d'être provocateur. Hein. S'ils l'ont fait, ça devait servir à quelque chose. Ça ne sert à rien. Vous ne courrez pas plus vite, vous ne sauterez pas plus haut. Mais c'est génial, en fait, parce que, bien sûr, c'est un chamanisme qui est très important. Ils dessinent la biodiversité, qui n'est pas devant eux. Hein. Ils sont au fond d'une grotte à 300 mètres de l'entrée. L'antilope, ils l'ont vu 15 jours avant. Il y avait des lions en France. Il y avait des hyènes. Il y avait des panthères à ce moment-là. Il y avait des rhinocéros. Donc, s'ils ont pu faire ça, il y a 37... C'est deux fois plus vieux que Lascaux. Lascaux, c'est 20 000. Hein. Pourquoi on ne ferait pas mieux aujourd'hui avec les moyens que l'on a, effectivement, par rapport aux soucis que l'on rencontre aujourd'hui? C'est la vraie question. C'est Jean-Marie Chauvet, ici, qui est avec ses amis Christian Hilaire et Hélène Brunel, qui découvrent cette grotte le 19 décembre 1994. J'ai eu la chance d'aller deux fois voir l'original, vous en pleurez à chaque fois. Voilà, c'est la dernière courbe du début. Ça, c'est comment l'humain a évolué en nombre de personnes humaines, ici. On était 5 millions il y a 10 000 ans. On s'arrête de bouger, ici en Bretagne. On a beaucoup travaillé en Bretagne sur le passage de ce qu'on appelle les chasseurs-cueilleurs aux pasteurs-agriculteurs. Et sur les îles, c'est super intéressant, les îles du Morbihan, puisqu'ils pouvaient y aller à certaines saisons. Qu'est-ce qu'ils mangeaient? La coquille Saint-Jacques ou une brinique, hein, une bernique, comme on dit en Bretagne. On arrive à, selon l'endroit où on la retrouve, on arrive à savoir à quelle température de l'eau elle existait à ce moment-là quand ils la mangent. C'est génial, on voit qu'ils étaient que l'hiver, que l'été sur certaines îles, comment ils faisaient. Et on voit l'arrivée, en fait, de passeurs agriculteurs qui arrivent effectivement de l'Est, ici on peut arriver que de l'Est, hein, et qui vont petit à petit éliminer les populations de chasseurs-cueilleurs qui vont partir, hein, donc qui vont disparaître. Et c'est très intéressant, la Bretagne, à Rennes ici, c'est un joli site pour faire ça. Toute une équipe d'archéologie à l'université à Rennes travaille là-dessus. Donc vous voyez que, ben, on va multiplier les humains, 5 millions, et puis voilà, et aujourd'hui on a dit 8 milliards. Les deux fois où ça a régressé, les pestes noires, la grippe espagnole. Au départ, on n'avait que ça. D'ailleurs, dans le monde agricole, ici, mes amis paysans le savent, on retrouve plein de bifaces dans les sols bretons. Un biface, c'est un bout de caillou taillé de 3 millions d'années jusqu'à 2000 ans. Ça s'est toujours fait, en fait. Allez voir le grand cairn de Barnenès. Vous connaissez près de Morlaix le cairn mégalithique de Barnenès en Plouezor, là. C'est la plus ancienne construction de cette taille-là connue au monde. Hein. On est avant les prémices de l'Égypte, 4500 avant. 11 dolmens à couloirs qui sont accolés. Il y a des bifaces. Ça veut dire que, effectivement, cet outil qui servait d'outil et d'arme, on n'avait que ça à l'époque. Hein. Bon, on faisait tout avec ça. On grattait, on taillait, on perçait, on cognait sur un animal, on tapait sur le copain ou la copine. Mais c'était du corps à corps. Et tout va changer au moment où l'humain va inventer l'arme de jet. Tout va changer. Il y a 8000 ans, hein, l'arc et la flèche. Et ça change tout. Et les animaux qui étaient les grands prédateurs des humains vont commencer à avoir peur de ce petit machin tout mouillé qui fait 40 kilos. Au départ, on était africains, noirs, poilus. Tous on était comme ça. Ça ne plaît pas à certains, mais c'est comme ça. Hein. L'humain est profondément africain. Nous sommes tous des Africains. Alors, quelqu'un dira un jour que l'homme africain n'a pas d'histoire, je ne vous raconte pas. Hein. Comme connerie, on ne peut pas dire beaucoup plus pire que ça. Sans eux, on ne serait pas là. C'est toute l'histoire de l'humanité, c'est tout. Ça s'est passé comme ça. Ils sortent d'Afrique. Ils sortent d'Afrique chaque fois que le Sahara n'est plus un désert. Tous les 10 000, 12 000 ans, hop, il pleut dans le Sahara, la péninsule arabique redevient verte et on sort de l'Afrique. Et on vient en Europe, on vient en Bretagne. Ici, les populations, on a des populations ici, là. Oui, Ménès-Dragan, en Bédodiane, c'est 400 000, hein, c'est équivalent de Totavel. C'est donc des Heidelbergensis, des Erectus. On est avant Néandertal encore, hein, sur ces gisements-là. On n'a pas de traces d'ossements parce qu'ils se conservent très mal en Bretagne, les sols sont acides ici. Hein. Par contre, on a des traces d'activité humaine, des foyers par exemple. Mais les dragons, 400 000. Bon, Totavel, dans les Corbières, le fond d'un côté à 700 000. Donc, c'est les plus anciens Français qui existent, en fait, 700 000 ans. Mais en Espagne, on a des gisements à Burgos à 2 millions. Hein. La Cima de los Huesos, près de Burgos, c'est 1,8 million.
Sept espèces d'humains qui se succèdent sur 2 millions d'années, en fait, hein, sur le site de Los Huesos. Et puis aujourd'hui, il n'y a plus que Sapiens. Tous les humains actuels sont interféconds. Voilà, c'est comme ça. Les petits, les grands, les moyens, les cheveux noirs, les cheveux blonds. On est tous interféconds, il ne reste plus qu'une espèce aujourd'hui. Et on invente la roue vers 7000 ans. Puis après, ça va être une terrible invention, la poudre noire qui va tout changer, puisqu'avec ça, c'est tellement facile. N'importe quel Olibrius, il appuie sur une détente, il tue un éléphant, il tue une girafe, il tue tout ce que vous voulez. Quand je vois ces gamins aujourd'hui à la frontière du Congo et du Soudan, qui ont tous des kalachnikovs, qui flinguent tout. Ils ont violé toutes les filles du village d'à côté. Donc c'est vrai que ces inventions, comme disait Edgar Morin, c'est pas tellement la frénésie de découvertes scientifiques et technologiques qui pose problème, c'est l'usage que l'on en fait. Et la Covid-19 est vraiment là pour nous le rappeler en permanence, en fait. Donc, vous voyez, les âges des métaux, la domestication animale à l'époque, bien sûr. Puis après, ça va être les moulins à eau avant, la poudre noire, les vaccins, les avions, les matières plastiques, les antibiotiques, les ordinateurs. Et tout ça explose, l'énorme explosion de la population humaine. Aujourd'hui, quand vous regardez la courbe, ça planait un petit peu. Les Indiennes, par exemple, ils sont 2,3 milliards en Inde, en Chine aussi. Ben, la moyenne d'enfants par femme en Inde, c'est pas tellement, c'est 2,3. Nous, on est 1,9 en France. Donc, c'est un petit peu plus. Ça a beaucoup, beaucoup baissé. Le pays où c'est encore le plus par femme, c'est le Niger. En ce moment, c'est encore 7 à 8 enfants par femme. Mais elles décident pas, les femmes. On revient à ce qu'on dit tout à l'heure, en fait. Elles vont pas à l'école, les petites. Donc, vous voyez que c'est vraiment de l'écologie de terrain extrêmement importante, tout ça. La vraie écologie, la science écologique. Et donc, aujourd'hui, Darwin, Malthus, on en parle souvent. Donc voilà, ça c'est la question de base. Est-ce qu'on est en train de créer les conditions de nouvelles crises d'extinction? Parce que, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on détruit et on pollue, on surexploite, on dissémine tout partout, et le climat change trop vite. Et bien sûr, il faut de très mauvaises fois pour dire que l'homme n'y est pour rien. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait demain, à la lumière de la Covid dont on va parler maintenant, pour arranger un peu la situation? Voilà la courbe un peu dure que j'ai à vous montrer ce soir. Ça, donc, c'est l'effondrement du vivant. En vert, c'est le vivant sauvage. Tous les vertébrés sauvages. En bleu, animaux domestiques. Les vaches, les cochons, les poulets, les chèvres, les chevaux, les moutons, les chiens et les chats. C'est une explosion du nombre d'individus. Et en rouge, sont les humains. Vous voyez que la vraie question, c'est quelle place on laisse aux autres, en fait, c'est ça. Nous consommons, nous, humains, avec nos animaux domestiques, la moitié de l'eau disponible sur la Terre. Donc les 2,4 millions d'espèces en plus, elles n'ont que la moitié de l'eau à se distribuer, en fait. Alors l'eau, c'est intéressant, parce que l'eau, ce n'est pas quelque chose qui va disparaître. Il y a une quantité d'eau sur la Terre, on connaît bien. Arroser un champ agricole, vous arrosez votre champ, l'eau n'est pas perdue. Le problème, c'est effectivement l'existence de l'eau dans un endroit précis, à un moment précis. On sait que sans eau, il n'y a pas d'agriculture, par exemple. Donc ça, c'est très important. La déforestation en Afrique... Le changement climatique amène à des zones en train de devenir des déserts complets. Et un désert complet, on n'aura pas de paysans. Ils ne pourront pas rester, il n'y a pas d'eau. Alors, on peut, dans un système agricole, supporter une année un peu sèche, mais pas 3, 4, 5, 10 de rang, ce n'est pas possible. Beaucoup de grandes civilisations se sont éteintes comme ça, parce qu'on est resté 12, 13, 14 ans sans pluie, pratiquement pas. Donc, vous voyez que c'est extrêmement important, et le monde agricole le sait bien, bien sûr. Voilà, donc comment la politique le reprend? Là, on criait effectivement, si on ne fait rien, il sera trop tard. 15 000 scientifiques, novembre 2017, ça c'est le papier qui a bouleversé ma vie, où je lisais ce papier en 2001, disant, le plus puissant moteur du changement sur la Terre, c'est la présence de l'humain. Le président Macron vient d'être élu, donc il est tout feu, tout flamme, il crie à la tribune du Conseil mondial à l'île Seguin le 12 décembre 2017, c'est-à-dire 2 ans après la COP21, nous ne prenons pas le chemin financier de réussir l'accord de Paris. Et puis nous, on réagit effectivement, le monde réagit après le travail fait par l'IPBES. Le 9 mai 2019, il n'est pas trop tard, mais chaque fois, chaque minute qui passe nous rapproche d'échéances terribles. On ne sait pas la fixer. Ça veut dire qu'il faut se dépêcher tout de suite, il fallait commencer hier, avant-hier. Puis qu'on arrête d'en parler tout le temps partout si on ne fait rien. Je comprends moi l'impatience, et je dirais même la colère des jeunes qui nous disent « mais vous n'en faites pas assez, écoutez-les, ils crient partout ». Mes étudiantes, eux, beaucoup de filles en plus, en veto, à l'agro, les études médicales, en écologie, à Jussieu, elles disent toutes la même chose. J'ai 3/4 de filles maintenant en médecine. 90% école veto, tout à l'heure, je vous disais. 3/4 dans les écoles d'agronomes. Qu'est-ce qu'elles nous disent, ces jeunes femmes? Elles ont 21 ans, 22 ans. Elles nous disent, écoutez, c'est pas possible. Vous savez ce qu'elles me disent, ce qui me fait le plus mal? Nous n'aurons pas d'enfants.
Ça, c'est notre échec à nous. Je suis désolé. Moi, à 20 ans, j'étais amoureux, j'avais envie d'avoir un bébé. Donc pourquoi est-ce que nous, par nos comportements, on a créé une situation qui les amène à une certaine désespérance, hein. Une jeune femme, si elle a envie d'avoir un bébé, bah, pourquoi pas un garçon, pourquoi pas un garçon aussi, d'ailleurs, hein. C'est très important, mais je comprends. Il y a un papier sorti en janvier cette année qui dit, voilà, c'est des médecins qui ont écrit ça, quelle sera la vie d'un gamin qui naît le 1er janvier 2020 ? Ça donne pas envie d'en faire, hein. Quand il fera à Paris en 2045 54 degrés pendant 2 semaines et que la Seine sera à sec. Ce n'est pas des histoires en fait, d'écolos farfelus, encore une fois. Il faut que tous on prenne ça en considération. Encore une fois, pas par la terreur, je ne veux pas créer de l'éco-anxiété. Surtout chez les jeunes. Hein. Je suis vraiment l'ennemi des collapsologues, je n'aime pas du tout ça. Et le collapsologue, c'est foutu. Non, ce n'est pas du tout foutu, mais il faut qu'on réagisse, c'est très très important. Ça, c'est très très important. Voilà, donc l'IPBS est réuni, c'est l'équivalent de l'IPCC climat, mais pour la biodiversité. Et ils font leur rapport il y a juste un an, c'était le 9 mai 2019. La nature décline globalement à un rythme sans précédent dans l'histoire humaine. Nous sommes en train d'éroder les fondements mêmes de nos économies, nos moyens de subsistance, la sécurité alimentaire, la santé et la qualité de la vie dans le monde entier. Ben voilà, c'est ça aussi qui a laissé passer la Covid-19. Alors, voilà le rapport des Nations Unies, il y a 15 jours, hein, c'est tout récent, ils vont faire une réunion à la fin du mois de septembre. La santé des écosystèmes dont nous dépendons, ainsi que toutes les autres espèces, se dégrade plus vite que jamais. Donc ça, c'est très, très important. Le rapport donc, contient plein de recommandations. Vous pourrez le lire, c'est sur Internet, je l'ai récupéré hier. La conception des villes est proposée. Comment les écosystèmes peuvent être restaurés, conservés? Tout ça, bien sûr, dans un monde où il nous faut produire. Nous sommes de plus en plus nombreux. Il ne faut pas augmenter les surfaces agricoles indéfiniment, sinon moi je perds mes zones humides, je fais exprès de parler en mon nom, et je perds effectivement mes forêts tropicales humides. Produire plus, avec pas plus de surface, ça veut dire qu'il faut aller vers de l'intensification, mais sans la chimie, c'est jouable. Le seul système qui sait faire ça, c'est l'agroécologie. C'est les bactéries du sol, c'est les animaux que je vous ai montrés tout à l'heure, ils savent faire ça. Par contre, ça passera par la polyculture. On ne fera pas une parcelle où il n'y aura qu'une seule plante produite. On ne fera pas que des patates ou que des navets. J'ai un ami tout près de Rennes qui fait ses petits pois sous son blé. C'est magique. Il gagne beaucoup plus que le type d'à côté qui ne fait que du blé. Et il a divisé ses pesticides par 30, par 40, par 50, par 100. Mais il fait son petit pois sous son blé, c'est tout. Et quand il a fini de vendre son blé, il en vend un petit peu moins que le voisin. Il a ses petits pois qui sont en parfait état. C'est ça qu'il faut qu'on reprenne ensemble. Et ça, on sait faire. Il faut le faire avec le monde agricole, pas contre lui, bien évidemment. Donc aujourd'hui, c'est vrai que le 30 septembre prochain, on aura cette grande réunion sur la biodiversité des Nations Unies. Donc on va voir un petit peu ce qu'ils vont sortir. Donc cette crise de la dégradation de la biodiversité, il faut qu'on la reprenne. Et comment travailler aujourd'hui sur la limitation de la propagation de la Covid ? On va y venir. Alors ça, c'est le rapport du WWF sorti la semaine dernière, le 15 septembre. Donc quelques jours, en ce moment, il y a plein de choses qui sortent. Qui nous dit, voilà, on a perdu 68%. Non pas des espèces disparues, mais du nombre d'individus dans les populations vivantes depuis 1970. On montre ici que partout, en fait, au niveau mondial, au niveau par continent, Amérique, Asie, avec l'Europe, on fait attention en Europe, on n'est plus en train de dégrader autant qu'on l'a fait à une époque. On a déjà beaucoup dégradé avant, ça c'est clair, pendant le Moyen-Âge. Mais on est en train de réagir plus vite que des pays, que des régions comme par exemple l'Afrique ou l'Amérique du Sud. Qu'est-ce qu'on peut encore sauver avec nous? Ça c'est super important. Donc voilà le rapport du WWF qui montre justement le corail. Regardez, les coraux en train de s'effondrer en ce moment ici. Les grenouilles partent tout doucement, ça c'est très important aussi bien sûr. Les mammifères, les oiseaux. On a perdu 30% de nos oiseaux en 15 ans dans les terres agricoles. Oiseaux communs, l'alouette des champs, le moineau domestique, le vanneau huppé, des choses que vous connaissez bien. Et là il y a un problème d'éducation. Moi quand j'étais un petit garçon élevé à la pointe bretonne, tous mes amis étaient fils de paysans, ils connaissaient tous le nom des oiseaux de leur champ. Aujourd'hui, le jeune paysan, il ne connaît même pas le nom de ses oiseaux. Il ne connaît pas le nom de ses papillons. Comment voulez-vous que si on ne recrée pas ce lien entre le monde agricole et la biodiversité qui l'entoure, ça ne marchera pas. Le respect, l'observation. Moi, je vois beaucoup de paysans avec nous qui travaillent maintenant sur l'essence participative. Ils nous donnent, ils nous alimentent en données, et c'est magique, comme un médecin peut le faire, comme un vétérinaire peut le faire, un marin-pêcheur, un ostréiculteur. C'est vraiment tellement... Ils sont sur le terrain tout le temps, ce que nous, on ne peut pas faire, Ils sont partout et tout le temps. Donc plus ces gens-là arriveront à se fédérer pour amener la donnée au système, puis on me dit, voilà, moi j'ai ramassé mon premier pruneau à Agen, tel jour à telle heure, et on voit très bien le changement climatique. Les vendanges à Banyuls, quand je suis parti là-bas, ça fait maintenant 20 ans, commençaient le 10 septembre. Cette année, les blancs étaient finis le 15 août.
20 ans, en 20 ans. Et c'est pareil en Creuse-Hermitage, c'est pareil en Margaux, c'est pareil dans tous les crus, en Bandol. Donc c'est vrai qu'il se passe des choses. Qui... Encore une fois, ce n'est pas que ça change qui me gêne, c'est l'accélération du changement, en fait. Donc je vous laisse. Ça, vous l'aurez dans le rapport du WWF. Hein. Aujourd'hui, on cultive, en fait, on mange 6000 espèces de plantes différentes, mais 9 font les 2/3 de la production mondiale. Donc c'est vrai qu'on mange 40 espèces d'animaux, 8 font 95%. On mange tous la même chose. On mange souvent du cochon, de la vache, du poulet. On mange tous la même chose. Un peu de mouton de temps en temps. Le cheval de moins en moins ici en Bretagne et ailleurs, hein, c'est vrai. Et puis voilà, quelquefois du canard, oui. Dans le sud-ouest, on en mange beaucoup. Donc on mange tous 5-6 animaux. Alors qu'il y en a 1,3 million de différents. Donc c'est vrai que ça relance tous les débats là-dessus. Est-ce qu'on ne va pas éhontément les favoriser pour ne plus laisser de place pour le reste? C'est la vraie question. Donc ce déclin de la nature a été calculé à 480 milliards de dollars par an, donc 10 000 milliards de dollars d'ici 2050. Donc ça veut dire que ça peut se résumer aussi en système sonnant et trébuchant. Donc impératif de changer. Agir. Et là-dessus débarque la Covid. Alors, c'est un virus de chauve-souris, voilà, c'est elle. Elle s'appelle Rhinolophus affinis. On la connaît bien, ça fait 20 ans qu'on y travaille, les collègues du muséum. On va dans les grottes en Chine depuis longtemps. On sait que c'est dangereux. Aujourd'hui, il y a pratiquement 400 virus dans les chauves-souris qui peuvent sortir quand on veut. Foutons-leur la paix. Laissons ces chauves-souris là où elles sont. Arrêtons d'aller les chercher dans leurs grottes. De les garder vivantes sur un marché dans des conditions ignobles. Elle fait caca sur une bestiole qui est en dessous, un pangolin, une civette masquée. Et puis, ben, il mute ce virus et il se met à attaquer les cellules humaines, ce qu'il ne savait pas faire avant. Ça ne devait pas se passer. Ça s'est passé parce qu'on a été ignoble dans le traitement du vivant et de la biodiversité. On a mélangé animaux domestiques et animaux sauvages. Il ne faut surtout pas faire ça. Alors on me dit, ben, dans ce cas, c'est facile, monsieur le professeur. Vous savez ce qu'on fait? On tue toutes les chauves-souris de la Terre. Ben voyons. Ben non, parce que le fait qu'elles existent limite ces virus. Le virus, une fois qu'il a réussi à quitter la chauve-souris et à passer à l'humain, il n'a pas envie de revenir à la chauve-souris. Hein. C'est elle qui limite le système. Quand il y a une grande biodiversité, un peu ça l'effet de dilution, dans une grotte ou ailleurs, ou dans une forêt tropicale, hein, le virus, sans arrêt, il va rencontrer des individus qui sont résistants, parce qu'ils sont tous différents les uns par rapport aux autres. Et c'est un parcours du combattant. Il ne passe pas, il ne passe pas. Si jamais demain, on diminue le nombre d'espèces vivantes et on diminue le nombre d'espèces qui sont sensibles à ce virus, il a un boulevard devant lui. Il a passé les barrières, il envahit tout. Gardons-les avec nous. Ce sont nos meilleurs alliés pour empêcher ces passages de pathogènes de l'animal à l'humain. Et l'humain, c'est toujours contaminé comme ça, de toute façon. Toute l'humanité, depuis 50 000 ans, elles viennent d'espèces différentes. Très peu des singes, très très peu. Mais beaucoup, du cochon, beaucoup, il y a eu de passages. Hein. Du chien, du chat, de la vache, bien sûr, ou d'animaux sauvages. Hein. Ça passe. Vous vous rappelez l'épidémie de MERS dans les pays arabes du Golfe il y a 10 ans? C'est le dromadaire, chauve-souris dromadaire. Le nipa, c'était le cochon. Au Mexique, il y a une grosse épidémie, c'était le cochon aussi. La grippe espagnole, c'était le canard. Donc, dès le moment où on commence à mal élever ces bestioles, eh ben, le virus ou la bactérie, elle passe de l'animal sauvage au domestique, puis du domestique à l'humain. Là, on pense qu'il est passé peut-être par le pangolin. Dissémination effarante, ben, ça sont les avions hein, qu'on évoquait tout à l'heure, là, effectivement. Pas de vaccin pour l'instant. Quand j'entends des gens qui me disent « Oui, c'est l'Institut Pasteur qui a inventé le virus. » Arrêtez, attendez. Alors je leur dis, dans ce cas-là, au type, pourquoi le Pasteur va inventer un virus dangereux? Bah, tu comprends, il veut vendre des vaccins. Alors j'y écoute. Si je veux vendre des vaccins, il est prêt dans mon congélateur à côté. Hein. Je ne vais pas le préparer pendant 3 ans pour que je le fasse. Il sera plus efficace puisqu'il aura muté le virus. Ça n'a pas de sens. Même quand Montagnier dit des conneries, il dit il y a des traces de HIV dans le Covid. C'est débile. En fait, bien sûr qu'on retrouve des séquences un peu analogues, parce qu'un virus, c'est ultra petit. C'est la petitesse totale. Plus petit que ça, on ne peut pas exister. Donc il y a des séquences qui ressemblent, mais pas du tout plus proches du HIV que n'importe quel autre virus, en fait. Hein. Donc simplement, alors la vraie question, c'est est-ce qu'il a été bricolé ou pas? Nous, on n'a aucun signe. Je vais y revenir tout de suite pour l'instant. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc il est infectieux, on a dit qu'il tuait les gens de surcharge pondérale. Une longue liste de virus, je viens de vous parler de l'effet dilution ici, dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà le coronavirus ici, là, il est relâché par des cellules pulmonaires donc, qui l'avaient contaminé. Donc le pangolin, ça reste une hypothèse, peut-être le pangolin. Ça c'est la chinoise qui raconte en ce moment, mais comme elle est très proche de Trump, j'hésite à la croire, elle dit que j'ai la preuve que c'est le labo de Wuhan qui a inventé le virus.
vous allez sur les réseaux sociaux hier, on n'a rien pour l'instant. Nous, on a bien regardé les séquences. Pour l'instant, en scientifique, spécialiste des génomes du virus, ce n'est pas mon cas, mais j'ai des collègues, j'ai des plantes qui font ça, ils me disent qu'on n'a absolument aucune raison de penser qu'il aurait été bricolé et manipulé. Donc, ça peut très bien, effectivement, être une chauve-souris, un pangolin, ou une civette masquée, ou autre chose, hein, et puis devenir infectieux chez l'humain. Voilà. Donc, on a regardé les séquences un peu partout. Donc, 380 virus chez les chauves-souris, vous voyez un petit peu. Hein. Donc là, c'est vrai que l'agriculture intensive, l'urbanisation massive, tout ça doit nous faire réinterpréter ces questions de prédisposition d'espèces sauvages vers les domestiques et de mélange de tout ça. Et ça, c'est vraiment très important d'y venir. Voilà. Alors, sur la mortalité, il ne faut pas exagérer non plus quand on vous parle de seconde vague. Hein. Ça, c'est ce matin, le chiffre. Hein. Bah, regardez, écoute, ça, c'est la France. L'Europe est là. Donc, on a eu le pic terrible du mois. Là, il mourait en France 1700 personnes par jour. Je crois que c'est le 23 avril, le pic qu'on a eu en France. Là, on est à deux, quoi. Hein. Donc, alors, il y a une petite... Alors, ce n'est pas une deuxième vague. En plus, on me parle de deuxième vague. Il n'y a pas eu de première vague ici, de toute façon. Donc, s'il y a une vague, c'est la première ici. Hein. Donc, vous voyez que... Arrêtons de coller la trouille à tout le monde. Il faut vraiment se poser des questions, il faut faire attention pour nos anciens, ça c'est absolument très clair. Mais mettre des masques à des enfants, moi je suis contre, ça sert absolument à rien. On les terrorise pour rien du tout. Hein. Quand vous êtes sur une plage, quand vous êtes dans la rue et que le premier humain est à 30 mètres, ça sert à rien, ne mettez pas de masque. Faites du vélo sans masque, sautez, riez, lancez ce que vous voulez, roulez-vous par terre. On se contamine dans la même pièce, avec la même climatisation, avec la même machine à café, ça oui. Dans un TGV, moi j'ai beaucoup hésité à venir. Hein. Et certainement, on avait vérifié des charges de virus dans le TGV. Il y en avait plein à Brest quand on a ramené les Parisiens malades là, à Brest au mois d'avril dernier. Mais bon, donc ça veut dire qu'effectivement, c'est à prendre au sérieux. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas quelque chose qui est important. Hein. Simplement, n'exagérons pas non plus la réaction. Je pense qu'il faut garder la tête froide. Il faut être conscient que cette chose-là est très dangereuse pour des personnes qui sont fragilisées. On a dit tout à l'heure, des gens qui sont obèses, qui sont diabète de type 2, qui ont eu des cancers, qui ont été des fumeurs. C'est très clair. Et puis, ben, on fait attention à eux. Mais de là à mettre, comme on l'a fait là, des gens dans des EHPAD, à leur empêcher de voir leur famille, il y aura plus de morts à cause de ces comportements-là que simplement la question de nous protéger vis-à-vis du virus. À une boîte de nuit, c'est pas recommandé, ça je suis d'accord. Hein. Allez, vous crachez dessus dans une boîte de nuit, c'est le meilleur truc. Les clusters, c'est là qu'ils passent, hein, des mariages, ils passent dans des fêtes de famille. Quand ici en Bretagne, on a crié après les Parisiens, on s'est rendu compte qu'il y a eu beaucoup plus de clusters dans des familles qui se réunissaient que dans ces bandits de Parisiens touristes qui venaient passer leur confinement à la pointe bretonne. Hein. À l'île de Ré, il y a eu des manifs. Hein. On revient à ce qu'est l'espèce humaine, ça veut dire que, bah oui, c'est sur la faute de l'autre, donc faire attention, oui, mais n'exagérons pas non plus la situation. Voilà, ça c'est donc les morbidités que je vous montrais, ça, en fait, par semaine. Bon, donc voilà ce que tue le coronavirus, entre 80 et 86 ans. 81 ans, c'est la moyenne entre la France et l'Italie. Là. Ça, c'est de ce matin, ces chiffres-là aussi, c'est tout, tout neuf. Donc 115 000 décès en excès, ça c'est l'INED, donc vous savez ce qu'ils font, ils mesurent les morts en France depuis tout le temps, hein. Et donc, on regarde sur une épidémie la différence. Il y a ceux qui ont été comptés dans les hôpitaux et dans les EHPAD. Ce n'est pas toujours très précis. Mais simplement, on tient compte de toute la mortalité en France. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on a surestimé les morts du Covid dans les hôpitaux français. Tous les gens qui sont morts à l'hôpital au mois de mars, avril, mai, Covid. Non. Et deuxièmement, ce qui est important aussi, c'est qu'il y a eu plein de gens qui sont morts parce qu'ils n'ont pas été traités. Dans le confinement, à boire et à manger, je ne dis pas qu'il ne fallait pas confiner du tout, c'est pas ce que je dis. Il aurait fallu commencer bien avant. On l'a commencé beaucoup trop tard. Il fallait arrêter les agents chinois bien avant, il fallait les arrêter au début du mois de mars. Pas qu'on l'a fait 100 jours, on a mis, pour arrêter les agents chinois. Donc c'est là qu'il faut regarder ce qui se passe. Puis surtout, faites du sport. Moins vous ferez de sport, plus vous serez contaminable. Alors faites du sport. Donc 115 000 décès, vous voyez qu'on était à 90 000 en 2018, 140 000. Bon, oui, il y aura une surmortalité. Ça va faire baisser un tout petit peu la durée de vie des Français. Un tout petit peu, mais pas beaucoup, hein, ce que dit l'INED aujourd'hui. On va attendre un peu, on est encore un petit peu tôt, il faut voir jusqu'à où ça va aller. Je ne dis pas dans la boule de cristal, hein, mais je ne crois pas à une énorme reprise aujourd'hui de l'épidémie. Il faut que les gens se contaminent. Le drame qui m'embête le plus dans aujourd'hui la communication du gouvernement, c'est qu'en fait, on est passé des morts. Bon, ça, c'est indiscutable, hein, des morts. Hein. Alors, par contre, je vous dis, on a compté des gens qui n'étaient pas morts du Covid. Bon. Enfin, c'est comme ça. On surestime le problème. Mais surtout, on est passé à des tests qui sont très peu fiables. Ils ne sont même pas fiables à la moitié, en fait, ces tests. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un test positif négatif, vous ne savez pas trop où vous en êtes. Et puis, plus vous testez, plus vous en trouvez. C'est bien évident, c'est mathématique. Hein. On ne faisait pas de tests au mois d'avril, donc, effectivement, on ne trouvait pas. Mais non, on ne fait que ça, on en trouve.
Puis d'un côté, on dit aux gens, allez, lancez-vous vers une contamination générale pour avoir une immunodéfense collective. Puis on dit, il ne faut pas l'attraper. Les messages sont dramatiques, quoi. Je ne sais pas comment, en fait, on peut communiquer bien avec les gens. Les masques en mars servaient à rien parce qu'on n'en avait pas. Maintenant, on en met à tout le monde dans des endroits où on n'en a pas besoin. Donc, c'est là vraiment qu'il y a vraiment, tous ensemble, là, collectivement, une réaction à avoir de, je dirais, d'intelligence, puis qu'on arrête de nous prendre pour des enfants. Les Allemands ont réagi très différent des Français. Il y avait un bel article sur Merkel et Macron, il y a quelque temps, où ils disaient, en fait, on a infantilisé les Français. Moi, je suis admiratif de la façon dont on a réagi. On a tous accepté ça, hein. Le coût social est monstrueux, le coût économique est monstrueux. Qui va payer la dette? Ce sont nos enfants, encore, de cette histoire-là. Une fois, je ne dis pas qu'il ne fallait pas le faire, c'est facile après de dire ça, mais comment on pouvait le faire? Puis surtout qu'on arrête, on ne peut pas gouverner un pays par la peur, ça j'y crois absolument pas, il faut que les gens soient responsables face à quelque chose. Quand on, je me rappelle un vieux monsieur qui disait, quand Macron avait dit, nous sommes en guerre, le vieux monsieur a dit, vous savez, nous quand on partait à la guerre, il y avait quand même beaucoup moins que 0,1% en fait qui ne revenaient pas, hein. Beaucoup plus que 0,1% qui ne revenaient pas, hein. Bah, évidemment, ça c'est clair, hein. La guerre c'est pas ça. J'ai écrit un papier, en fait, notre ennemi n'est pas le virus. C'est nos comportements à nous, en fait, hein, qui sont le problème. Voilà. Donc, bah, le climat, j'en avais parlé un petit peu, on va terminer là-dessus. Donc, le climat, c'est effectivement quelque chose qui est que bah, c'est parti, c'est trop tard pour l'empêcher de changer. Donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? La mer monte, la température change, c'est un vrai problème. Ça, c'est ce qu'on peut faire. On travaille avec les viticulteurs, avec les éleveurs. Comment est-ce que le climat va changer? Qu'est-ce qui va se passer? Où est-ce qu'il va pleuvoir, pas pleuvoir? Quelles sont les températures qu'on aura dans 10 ans, dans 20 ans? Et c'est très important. On a un travail très, très avancé dans la région Nouvelle-Aquitaine. J'encourage vraiment les Bretons à faire pareil. Vous avez les cerveaux pour faire ça, hein, mais ça demande un petit peu de moyens. Comment le niveau de la mer va augmenter ici en Bretagne? Puis surtout, regardez aussi les précipitations dans les 50 années qui viennent. Voilà, donc on laisse faire, ben c'est 4 degrés. On fait un gros effort, ça sera peut-être 2. Donc l'avenir est entre nos mains. Hein. Ça demande beaucoup plus d'efforts que l'histoire de la Covid. Alors j'espère que la Covid, ce qu'on a vécu là, va nous inciter à essayer de changer un petit peu, à faire pression sur les systèmes pour qu'on change un peu. C'est très difficile, hein, parce que pour éviter plus de 2 degrés, ça veut dire laisser là où ils sont 80% des gisements actuellement connus de charbon et de pétrole. Vous vous rendez compte ce que c'est, hein? C'est considérable. Et les jeunes me disent, pas de pétrole, on n'en veut plus, c'est même pas la peine, plus de matière plastique. C'est jouable, mais faut vraiment, on a vraiment à changer très fort. Hein. Voilà, donc je termine sur les maladies, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, qui sont liées à ces émergences. Hein. Sur les maladies qui sont liées à l'âge, on a des maladies qu'on n'avait pas parce qu'on ne vivait pas aussi vieux. Les expositions au soleil, tout ça c'est lié effectivement au changement climatique, au changement de la biodiversité. Sachant que le gros problème, la maladie la plus grave, c'est la pauvreté. Hein. Regardez aux États-Unis où ils ont le droit, eux, de mettre la couleur de la peau dans les morts. C'est interdit en France, mais ils ont 4 fois plus de morts chez les populations noires. Pas parce qu'ils sont plus réceptifs, mais ils sont pauvres. Ils sont obèses, obèses et très pauvres. Donc ça, c'est vrai que, encore une fois, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Arrêtons un système où on se croit social, où on admet que parce qu'on est pauvre, on ne mange que des saletés. C'est plus possible. Durée de vie enfant, tout à l'heure, je vous ai dit, c'est 84 ans chez les femmes, 80 chez les garçons. Vous savez quelle est la durée de vie d'un clochard à Paris? 46. Imaginez la vie d'une femme clocharde à Paris. Vous en voyez tous les jours. La terreur du viol en permanence. Elle est battue, maltraitée, elle ne mange pas à sa faim. Ce qui veut dire que si vous ne chauffez pas quelqu'un l'hiver, si vous ne le refroidissez pas l'été, s'il est sans arrêt en carence alimentaire et dans un stress permanent de l'agression, vous vivez 46 ans. On côtoie ça absolument tous les jours. Donc c'est vrai qu'on a vraiment un effort chacun pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut améliorer la situation. Et là, je parle de chez nous, mais pensez à des populations. Le pays où on vit le moins longtemps, c'est le Zimbabwe. C'est 46 ans, la moyenne au Zimbabwe. Donc vous voyez que ce n'est pas simple. Ça demande beaucoup. Alors, je termine sur le long terme. On fait quoi? Le climat, l'eau, les déchets. Alors, moi, j'y vois deux aspects très importants. Ce que j'appelle, moi, les sciences participatives. Vous participez tous à ça? S'ils viennent nous aider, nos scientifiques, à archiver la donnée, à la divulguer, à la mettre en forme, à la synthétiser. Et ça, c'est 10 000 personnes, dont beaucoup de gens en Bretagne. Hein. Charcutiers, dentistes, plombiers, pêcheurs, paysans. J'ai aucune hiérarchie dans ce que je dis là. Je prends n'importe qui. Hein, qui nous raconte des histoires. Voilà. J'ai mangé ma première polos, ma prunelle. Là. J'ai mangé ma fraise dans mon jardin. J'ai vu tel papillon. C'est génial. 20 000 personnes nous appellent tous les jours à Paris au muséum. Hein. Nous, on est 2 500. Donc on avance comme ça, on archive ça, c'est des banques de données gigantesques, hein, et on lit le changement climatique.
Et là, ils montraient qu'en 18 ans, nos oiseaux ont fait 33 km vers le nord, nos papillons 114. Et que pour 1 degré de plus en Bretagne, ils devront faire 250 km vers le nord. Donc tous les oiseaux qu'on a ici, ils seront réduits en Grande-Bretagne. Donc c'est pas assez intéressant. On fera des réserves ici pour protéger une espèce, elle ne sera plus là dans 20 ans, elle sera partie. On dirait, en échange, on aura des espèces du Maroc hein, qui seront arrivées chez nous, bien sûr. Hein, parce que chacun se balade vers le nord dans l'hémisphère nord, vers le sud dans l'hémisphère sud. Et puis la bio-inspiration, ça c'est Anne-Maëlle Dada. Tout à l'heure, Maëtte parlait du C et Bios. Alors, le C et Bios, c'est un groupe qui a été lancé il y a maintenant 10 ans et qui en fait regroupe 400 entreprises, dont les très gros, hein, il y a L'Oréal, il y a Saint-Gobain, il y a Renault. En fait, le but, c'est de changer nos matériaux pour faire des voitures, des vélos, tout ce que vous voulez, hein, des maisons, changer les couleurs, les formes pour qu'elles soient beaucoup plus durables. Hein, la bio-inspiration, c'est faire mieux qu'aujourd'hui, plus efficace, plus durable, qui n'émet aucune substance toxique, avec beaucoup moins d'énergie et moins cher. On peut rêver avec ça. Et bien la nature sait faire ça. Parce que l'agroécologie, c'est ça. On arrivera à produire plus sur les mêmes surfaces grâce à l'agroécologie. Et pour ça, il faut faire appel au vivant et puis il faut travailler avec en permanence. Donc là, vous avez ce petit coléoptère qui sait faire de l'eau en plein désert. Elle, cette éponge-là, elle fait du béton armé, excellent, qui marche très bien. Là, vous avez le CX, le plus beau du monde, à la tête du Martin Pêcheur. Mais il faisait beaucoup de bruit, ce train. Donc, on l'a recouvert d'un système qui ressemble aux plumes du hibou. Il va vite et il ne fait pas de bruit. C'est génial. Voilà, alors je vous avais parlé de la libellule aussi. Ouais. Elle vole à 90 km avec 2 watts. Elle voit à 360 degrés. Moi, je ne vois pas ce qu'il y a derrière. Elle, elle voit derrière. Hein. 300 images à la seconde, on en a 25. 9 techniques de vol, des capteurs de vol qui font rêver tous les pilotes que vous imaginez. Elles savent faire ça. Elles encaissent 30 G en accélération, 30 fois l'accélération de la Terre. Nous, on va à la foire de Rennes tout à l'heure, là. Je vous mets dans le manège, vous payez 10 euros, le plus terrible, hein. On vous centrifuge à 5 G, vous vomissez votre 4 heures, et vous avez payé 10 euros. 30 G, ma libellule, mais comment elle fait, diantre ? Alors, au lieu de mettre des saletés dans leur mare et au lieu de faire des parkings par-dessus, allons voir comment elle fait. Je vais faire une conférence à la Marine nationale sur un beau navire de guerre, sur le Tonnerre, qui est le successeur de la Jeanne d'Arc, le porte-hélicoptère français, devant tous les midships de Brest. Hein, je leur dis, voilà où il faut chercher vos inspirations. Hein, dans le vivant, qui fait beaucoup mieux que nous. Alors, il m'a quand même dit, le Pacha, il m'a dit, oh, Gilles, t'as raison, j'aime bien ce que tu fais, mais j'ai du mal à mettre quand même 4 types de l'infanterie de marine sur ta libellule. Mais ouais, mais bon, 3 des choses. Voilà, ben ça, je finis sur ce que l'humain a gagné en 140 ans. Hein. Par rapport à vos anciens, on mangeait 2 fois moins, on mesurait 15 cm de moins. On voit ça dans les cimetières. Hein. On vivait 35 ans de moins. On faisait 30 kilos de moins, y compris l'obésité. On a multiplié par 7 les humains et par 10 les rendements agricoles. C'est ça le progrès. Maintenant, comment on l'utilise ? Edgar Morin nous dit, d'un côté, les moteurs du système peuvent être très bénéfiques pour l'humanité, très délétère de l'autre. 30 kilos de plus, vous courez moins vite, vous mangez trop. Et 35 ans d'espérance de vie, ce n'est pas une mince performance hein, grâce au progrès de la médecine. Mais ça s'arrête en ce moment, ça s'arrête. Là, les Chinois disent, on va cloner des mecs à 2,42 m. Hein. Ça, c'est la durée de vie. Ça, c'est les femmes en France, ça, c'est les garçons. Ben voilà, donc l'espérance de vie, en fait, elle n'augmente pas. Ça veut dire que il y a de plus en plus de femmes, c'est les femmes. C'est pas à 110 ans, j'ai regardé, il n'y a plus aucun homme en France, à 110 ans. Il n'y a que des femmes. À 100 ans, c'est 3/4 de femmes, 1/4 d'hommes. Ce qui veut dire effectivement qu'il y a de plus en plus de centenaires, ça c'est très très clair. Hein. Mais par contre, l'âge absolu, 113, 114, 115, 116, ça n'augmente pas du tout depuis 10 ans. Jeanne Calment reste le record imbattable à 122 ans et 164 jours, hein, l'Arlésienne. Voilà, la doyenne actuelle, elle a 117 maintenant, Kané Tanaka. Sur les 50 derniers records du monde, 48 femmes. Oui, les femmes, vous vivez quand même plus longtemps que les garçons. Quand même. Donc ici, c'est intéressant parce qu'il y a bien une limite quelque part. Alors, si on accepte nos limites, ça changera beaucoup de choses, effectivement. Là, je vous ai mis des records. J'ai pris les meilleures performances de l'année sur le 800 mètres plat, les filles, les garçons. Le saut en hauteur et lancement du poids. Vous voyez qu'il y a des limites. Mais alors, on arrive à des choses qui sont assez étranges. Pourquoi aujourd'hui, mesdames, mesdemoiselles, aucune femme au monde ne lance le poids aussi loin que les Allemandes de l'Est en 1986 ?
Là, on vous a vu, le Tour de France est fini avant-hier. Déjà, il y a beaucoup de soupçons qui pèsent sur ce garçon de 22 ans. Il est 22 ans aujourd'hui, Pogačar. Question qu'on peut se poser, effectivement, quand le type il monte à 443 watts, est-ce qu'un humain est capable, non shooté, de monter à 443 watts? On l'a calculé, on l'a mesuré. Hein. Ça se calcule sur une pente à la vitesse, vu sa masse corporelle. Rappelez-vous les épisodes Armstrong, ça nous rappelle des mauvais souvenirs. Hein. Alors, je n'accuse pas du tout Pogačar d'être dopé, je dis simplement que là, c'est clair. Hein. Pourquoi elles faisaient ça, les filles? On les shootait toutes petites dans le biberon à la méthyltestostérone de garçons. Elles n'ont jamais eu de règles de leur vie. Doping organisé. Allemagne de l'Est, ça s'est passé également en Russie il n'y a pas très longtemps. Et en Chine, tous les Chinois qui ont gagné une médaille d'or au jeu de Pékin sont tombés pour dopage depuis. Donc ça relance le débat. Est-ce qu'on est prêt à accepter nos limites, hein? C'est la question qu'on se pose souvent finalement. Et Confucius disait, si on accepte nos limites, on est beaucoup mieux en les comprenant, capable de s'adapter aux conditions qui changent. Ah, c'est la durée de vie, vous voyez ici, Jeanne Calment est là. Hein? Alors, après, on a comparé ça à la consommation énergétique. Chez des vieilles personnes, on les chauffe donc l'hiver, on les refroidit l'été, ils prennent 20 médicaments par jour. On a calculé tout ça. Hein. Et c'est vrai que ça finit effectivement au niveau énergétique. C'est pas par hasard si on vit vieux en Italie, en Espagne, en Allemagne, en France, au Japon, aux États-Unis. On vit pas à ces âges-là, 110 ans, dans un pays africain. Donc, c'est intéressant d'y réfléchir parce que les coûts énergétiques sont absolument délirants. Quand vous regardez les coûts moyens, bien sûr, hein, vous arrivez à des pays qui font des dépenses énergétiques qui sont gigantesques. Il y a des modes de vie qui peuvent se prêter aussi à des gens qui vivent plus longtemps. Ça existe aussi, bien sûr. Hein. Mais là, on tombe à des âges. Donc, pour nous, notre idée, c'est qu'il va plutôt se passer un moment où on va plutôt diminuer l'espérance de vie. Et c'est le papier de l'INED qui est sorti il y a quelques mois. Il montre que depuis 2008, en France, on diminue l'espérance de vie. Elle va baisser un petit peu aussi cette année avec la Covid, là, ça c'est normal, hein, puisqu'on perd des gens qui étaient justement entre 80 et puis 90 hein, ou 100. Ça, c'est clair. Bon, maintenant, est-ce qu'on ne va pas à l'infini continuer à grandir? Et en grandissement, c'est pareil. Les plus grands humains sont les Hollandais, devant les Danois. Et ça fait 10 ans à peu près qu'ils ont arrêté de grandir aussi. Donc, c'est intéressant. Il se passe des choses. Alors, l'explication, ou bien on a des limites physiologiques. C'est possible, pour un physiologiste comme moi, oui. Ou alors, on avait encore des marges de manœuvre, mais les auto-agressions qu'on crée par notre environnement qui se dégrade font qu'on ne peut pas aller plus loin, en fait. Par exemple, moi, j'ai une question qui me turlupine beaucoup. Toutes ces femmes qui vivent, qui ont 100 ans aujourd'hui, là, plein de mamans, d'amis, elles me racontent ma maman a 100 ans. Donc, elles sont nées en 1920. En 1920, une femme enceinte ne mangeait aucun pesticide. Et le bébé, non plus. J'attends de voir combien de temps vont vivre les femmes nées après 1952. Quand on a commencé en France à mettre des pesticides absolument partout. C'est une vraie question. Mais on verra ça dans quelques temps. Voilà, je termine par un peu de philosophie. Ça, je voulais vous montrer aussi. Donc, c'est Sri Aurobindo qui disait un changement intérieur de l'humain, transformation radicale de l'humain. Ça, pour un biologiste, ça s'appelle une métamorphose. Et c'est le mot que Edgar Morin utilise. Ça sera mes dernières images. Il dit, en fait, le développement humain, la science, la technique, l'économie et le profit, en économie capitaliste, ça permet de créer de l'emploi. Mais chacun de ces moteurs peut être valable ou au contraire dangereux pour l'humanité. Et il dit, en fait, l'avenir, on en a parlé, il est très inquiétant. Et la Covid nous révèle aussi quelque chose. Et j'aime bien ce qu'il dit après, il y a toujours eu de l'improbable dans l'histoire de la Terre et de l'humanité. En fait. Faut pas qu'on oublie ça, parce que arrêtons de dire aux jeunes, c'est foutu. Ce qu'il faut dire aux jeunes, c'est que l'improbable, ce qu'on fait ce soir ensemble, là, pourquoi on se bat ce soir-là? Pour que le probable qu'on nous promet là ne se produise pas. Et pour ça, il faut qu'on change. Si on ne change pas, ce n'est pas possible. Dans l'évolution, toutes les espèces qui se sont adaptées au cours du temps à des changements extérieurs ont changé. Et nous, on ne change toujours pas. On revoit le même nombre d'avions, on revoit le même mode de vie. Ben, ça, ce n'est pas possible, ça. Il parle de métamorphose, Edgar, d'ailleurs. Il prend un terme de biologiste. Il dit on est homo faber, comme disait tout à l'heure Michel. On est pas mal démence, mais on n'est pas encore sapiens. Et puis il disait, à force de sacrifier l'essentiel au président Macron, à l'urgence, qu'on fait en ce moment, hein, on finit par oublier l'urgence de l'essentiel, en fait. Lisez les tweets d'Edgar Morin. Edgar Morin, le 8 juillet 2021, aura un siècle. Il est né le 8 juillet 1921. Et lisez ses tweets du matin. Pas mal, hein. Les neurones fonctionnent bien. Ils courent un peu moins vite, ils n'entendent pas très bien, mais n'empêche que les neurones marchent très très bien. Voilà.
avec des gens comme ça. Puis il me disait aussi récemment, tu sais, un pays comme la France, où les grands philosophes, ce sont Bernard-Henri Lévy, Finkielkraut, et Luc Ferry, il est vraiment en décadence. Hein. Revenons à nos Grecs anciens, hein, les maîtres de la philosophie, ou aux Chinois, qu'on oublie bien souvent aussi, bien sûr. Voilà. Donc, bah, la question qu'on me pose, c'est la résilience. On me dit, bah, justement, où va être la résilience? Bah, simplement, on oublie une chose qui est importante pour moi. Quand vous êtes agressé, là, c'est le procès de Charlie en ce moment. Donc, on arrive sur le Bataclan, on a travaillé sur le massacre du Rwanda, sur l'inceste, qui est une horreur totale. Elle existe chez nous, ici, en Bretagne. Hein. Et puis, sur les écosystèmes, comment, face à un trauma comme ça, vous refaites quelque chose? Mais n'oubliez jamais une chose, vous ne pouvez pas résilier si vous êtes mort. Or, pour l'instant, on l'a oublié. Ne détruisons pas. On prend les abeilles comme exemple pour le terrestre, les méduses au niveau marin. Voilà, ça, c'est une dépression nerveuse. Hein. Donc, vous modélisez, vous n'êtes pas mort, ben, vous revenez plus ou moins près d'un état antérieur. Ça prend du temps, ça prend de la souffrance et ça prend de l'effort. C'est pareil pour les écosystèmes. Voilà, je vous laisse dire ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Le confinement, on a développé le télétravail, on a digitalisé, on a vu les gaz à effet de serre qui s'étaient effondrés pendant quelques temps, c'était spectaculaire. Hein. Le président Macron nous dit le jour d'après ne sera pas comme le jour d'avant, j'espère bien. Retour sur soi, sécurité de la famille, maltraitance des femmes et des enfants, c'est très important. Alors, deux solutions, ou on fait comme avant, ce que demande le monde de l'entreprise, hein, vous écoutez les gens de l'aéronautique, on revient comme avant. En vendant 10 billets, 10 euros ou 20 euros, je suis désolé. Si on refait ça, on va s'en prendre un autre virus, ça c'est clair. Ou alors, on se restructure, on change complètement, dans une optique de durabilité, c'est ça la vraie question. Et ça s'oppose beaucoup aux stratégies des grandes multinationales, donc c'est un vrai combat. Voilà, c'est ma dernière image, Maëtte. Le vivant innove constamment, et ceci depuis la nuit des temps. L'innovation est utilisable par tous, y compris pour les gilets jaunes, et c'est pas ce qu'on fait dans les industries, nous, aujourd'hui. Le vivant fait tout avec une très grande économie d'énergie et le vivant ne fait jamais une substance qui va l'auto-empoisonner. Il produit des poisons extrêmement violents, mais il sait les dégrader. Donc voilà, c'est ma conclusion. Arrêtez cette économie actuelle stupide et suicidaire qui consiste à faire du profit en détruisant ou surexploitant la nature. Et c'est ça qui a amené le coronavirus. Voilà. Merci. Oui, j'ai le droit. Merci, mon cher Gilles. Merci beaucoup pour cette belle conférence avec toujours cette énergie et cet enthousiasme. Donc, il faut garder la mesure, retrouver le bon sens. Le pire n'est jamais sûr et vive la vie. Hein, on peut résumer tout ça comme ça. Micro. Mais si nos jeunes n'ont pas envie de l'avenir, qu'est-ce qui va se passer? On n'arrête pas de les dégoûter. Ouais. Quand la réaction la pire d'une jeune fille, c'est de me dire « je ne ferai pas d'enfant ». Ce n'est pas elle que je critique, c'est le système qui l'a amenée à dire ça. Hein, et je la comprends en plus. Donc c'est vrai qu'on a une responsabilité gigantesque. Hein. Donc c'est pas le fait... on ne peut pas continuer comme ça. Alors, on aura peu de temps pour les questions, hein, parce que Gilles a beaucoup, beaucoup débordé, mais toujours. Il fallait m'arrêter, il faut me le dire. Ah bon, tu me fais signe. Non, parce que c'est passionnant. Alors, on a envie d'entendre la suite et c'est difficile de... On peut passer des secteurs. Voilà. Oui, on pourrait passer encore beaucoup plus de temps. Donc, on va prendre quelques questions dans la salle et quelques questions sur Internet. Est-ce que quelqu'un a une question? Est-ce que vous voulez poser une question dans la salle? André, peut-être après, parce qu'on va laisser un petit peu la place aux autres. Hein. Qui est-ce qui veut poser une question dans la salle? Oui, là-haut, tout là-haut, et puis ici, monsieur. Criez fort. Alors, monsieur, ça vous ennuie pas de vous lever? Et puis, juste d'enlever le masque, le temps de poser la question, on dirait. Oui. Bien sûr. J'ai pas entendu. Oui, monsieur demande si aujourd'hui, dans ce qui se passe, est-ce qu'on a une pertinence des théories de Darwin? Oui, on l'a vu tout à l'heure, par exemple, sur l'évolution du plancton. En fait, le problème, c'est qu'on a fait dire à Darwin des choses complètement qu'il n'a jamais dites. Hein. Le darwinisme social, l'entreprise doit manger celle d'à côté, il n'a jamais dit ça. En fait, il a fait un travail sur la sélection naturelle en disant qu'à l'instant T, il faut les bons gènes face à une situation qu'on n'a encore jamais vécue et de la chance. Hein. Je crois que c'est un petit peu tout ça, finalement, qui se passe. Et souvent, ce qui est intéressant, c'est que les gens croient que c'est le plus gros, le plus fort qui transmet ses gènes. Ce n'est pas vrai du tout, du tout, du tout. Hein, c'est le plus malin, souvent, qui les transmet ses gènes. Alors c'est vrai que maintenant, on est dans un brassage de population tout à fait différent. Le cerveau humain a grandi pendant quelques millions d'années, puis bon, maintenant, il ne grandit pas, on n'a pas un cerveau plus gros. Mais pendant longtemps, parce qu'en fait,
n'avait accès aux femmes que des hommes qui, effectivement, étaient utiles pour la tribu. Et surtout, c'était la domestication du feu qui a permis ça, parce qu'on se raconte des histoires le soir au coin du feu. Et là, on voit très bien la libération de la main, ça c'est Bergson, puis surtout le fait qu'on se raconte ce qui s'est passé. Et ça, ça a socialisé énormément l'humain, ça c'est absolument évident. Mais c'est vrai que, oui, bien sûr, Gould disait, en fait, c'est Darwin du 20e, il disait, en fait, l'évolution, c'est des longues périodes du temps où il ne se passe pas grand-chose, parce que ça ne change pas à l'extérieur, des époques précises, quand tout change, qui oblige le vivant à faire des espèces et à spécier beaucoup plus vite. Alors, je crois qu'il y avait une question dans le fond. Vous vous mettez c'est debout, vous parlez fort, fort, fort. Enlevez le masque tant que vous êtes debout, parce que vous êtes assez loin, là. Merci beaucoup. J'avais juste une question. Telle que je le comprends, la science, les scientifiques, pendant les 3-4 derniers siècles, ont été avec le progrès, ont été avec l'économie, ont été un moteur. Et là, depuis 10, 20, 30 ans, j'ai l'impression que la science, de plus en plus, tire la sonnette d'alarme écologique, environnementale, climatique, dans tous les sens. Les scientifiques qui voient en premier, entre guillemets, les choses se passer, qui les prévoient, quelque part vont moins dans le sens du monde économique et financier et du progrès, entre guillemets. Et du coup, il y a une divergence là. Et est-ce qu'ils sont écoutés autant? Parce que j'ai l'impression que tout le monde tire la sonnette d'alarme avec 36 arguments, très argumentés, très diversifiés, prouvés et surprouvés, et qu'en face d'un gourou qui va bien, dont vous faisiez l'évocation tout à l'heure... Il faut poser des questions courtes, parce que là, comme on entend, la captation risque de ne pas être très bonne. La réponse est complexe, parce que je pense alors, que la science moderne est au service aussi des gouvernements. Hein. Gilles, il faut résumer quand même un tout petit peu la question. Le scientifique n'a plus l'indépendance qu'il avait à une époque, je crois, parce que c'est les financements des programmes qui vont jouer. Donc le vrai scientifique qui est complètement indépendant, compliqué. Donc c'est vrai que la science est là pour donner... Tuer les fake news d'abord, hein, raconter, parce qu'il y a un tas de conneries qu'on raconte, il faut les descendre. Mais on a vu, là, les scientifiques n'ont pas eu un rôle très reluisant durant la Covid, hein, et parce qu'ils s'y sont opposés des écoles, des manières de penser. Déjà, pour moi, un conseil scientifique comme celui-là, fait que de médecins, ça ne va pas. Il fallait des médecins, évidemment. Des vétérinaires, tu m'as dit, il n'y a pas de vétérinaire. Oui, c'est une chauve-souris, il n'y avait pas de vétérinaire, il n'y avait pas d'écologue. Donc je pense qu'effectivement, il aurait fallu un conseil beaucoup plus pluraliste que ça pour prendre les bonnes décisions. Mais la vraie question que vous posez là, c'est l'indépendance de la science vis-à-vis des systèmes de financement. Il faudrait bien que ce soit comme vous dites, mais je ne suis pas convaincu. Non, mais qu'on soit vraiment indépendant, difficile. Oui. Ce que monsieur disait, c'était que, si j'ai bien compris, hein, c'est que d'une certaine façon, la science accompagnait le progrès. Tout ça marchait un petit peu de pair, et puis que maintenant ça s'éloigne un petit peu les uns des autres, et que la science tire le signal d'alarme, et le monde économique ne veut pas ou ne peut pas l'entendre. Je sais pas. Est-ce que c'est ouais, mais n'empêche que c'est ce monde économique, il avance par la technologie inventée par des scientifiques et des ingénieurs, donc c'est compliqué. Mais c'est une question qui est essentielle. Je pense qu'il faut y revenir dessus. Quel est le rôle d'un scientifique indépendant public aujourd'hui? En gros, deux chiffres en France, on est 60 000 chercheurs publics et il y en a 200 000 dans les entreprises. Donc ça offusque un petit peu l'état des choses. C'est une question c'est pire aux États-Unis. Ouais, c'est une question que se pose beaucoup Étienne Klein, que tu connais bien, et qui viendra ici au mois de novembre, et à qui aussi j'ai donné carte blanche pour justement pouvoir voir comment les choses vont évoluer et pouvoir intervenir sur ce sujet et sur la place des scientifiques dans notre société. André, vous vouliez poser une question, André? Oui. Pour éduquer la jeunesse, comment votre discours, votre conférence pourrait être enseignée dans les écoles, les collèges, etc., etc., à tout niveau adapté à l'âge des... Vous avez raison, dès tout petit, il faut dire à un petit à 4 ans qu'il est plein de bactéries, quoi. Il sera heureux comme tout et du coup il fera attention beaucoup plus. Mais vous avez raison, hein, on commence beaucoup trop tard. Vous vous rendez compte qu'en ce moment on est en train de tuer l'essence de la vie de la Terre. Je le disais, c'est pas possible, quoi. Ça, nous on comprend pas. Avec Valérie Masson-Delmotte, ça nous rend furieux, quoi. Ah oui. Parce que qu'est-ce que fait un bon enseignant, sur votre question? Il donne des connaissances, ça c'est bien. Mais il faut une chose aussi importante. Il donne au gamin un esprit critique sur ce qu'il écoute. Hein, le gamin dit bon. Et ça on le fait pas. Parce qu'ils n'ont pas le temps de le faire. Et ça, c'est... Vous avez raison, il faut commencer tout petit. Et continuer à l'X et à l'École nationale d'administration. Les questions vont un peu dans ce sens. L'opinion publique semble ne pas prendre la mesure de la catastrophe vers laquelle on se dirige malgré les alertes. Est-ce qu'on se débrouille mal pour communiquer autour de ces problèmes? Bon, je pense qu'on peut dire... Non, je pense que maintenant, tout le monde l'admet. D'ailleurs, moi, je rencontre personne qui me dit tout ce que tu dis là. Il y a 10 ans, on m'aurait dit, ouais, le climat...
Non, la question, c'est que... Bon, on revient à ce que disait Jean-Co, ça veut dire c'est la fin du mois et c'est la fin du monde, quoi. Mmh. Dans l'immédiat de tous les jours, est-ce que je vais pas tenir compte de mes immédiatetés? Des gens qui se demandent qu'est-ce que je vais donner à manger à mes enfants demain, comment ça va se passer, est-ce que je vais perdre mon travail? Et puis du coup, on remet un peu plus loin ces questions essentielles. Mais globalement, je pense que ça y est, c'est dans le tuyau. Plus d'un Français sur deux comprend que ces questions-là sont importantes, hein, et attend du monde politique qui s'en empare. Mais par contre, on ne réussira pas ça sans l'entreprise. Je pense qu'il faut aussi massivement impliquer les entreprises et les chefs d'entreprise dans ces questions-là. Hein. Il y a un monsieur qui suit nos conférences sur Internet avec beaucoup de je vais y arriver, aide-moi. Bon, d'opiniâtreté. Et donc, il pose cette question. Il dit, étant donné qu'on est fait à moitié de bactéries, peut-on dire que trop d'hygiène tue l'hygiène? Oui. Oui. D'ailleurs, on le voit merveilleusement dans les maladies nosocomiales d'hôpital. Hein, vous avez des chambres d'hôpitaux tout neufs. Hein, je me rappelle, c'était à Pompidou, à Paris. Il reste un être vivant, ce que jamais la nature n'a fait, nulle part. Hein. Très banal, un pseudomonas, un aéromonas ou bien un staphylocoque. Il est mortel, il est résistant à tout. Et là, j'avais un vieux copain chirurgien qui avait trouvé la parade. Ça répond vraiment à la question de ce monsieur. Il dit, quand c'est comme ça, j'ouvre la fenêtre et ça marche. Donc l'asepsie poussée à l'extrême, c'est pas très bon. Vous vous lavez, pas tous les jours une douche, ça c'est clair. Hein. Mais c'est difficile de faire entendre ça aux jeunes qui sont habitués à en prendre deux par jour. Il y a de tout, il y en a qui sont cradoc. J'ai vu l'autre jour que comment c'était, Henri IV, il se lavait que quand il puait tellement que pour lui-même c'était insupportable. Alors il faut trouver un compromis entre les deux, quoi, finalement. Bon, bah maintenant on porte des masques, on sera peut-être moins gênés, quand même. Bon, bah la copine va le virer sur la baignoire vite fait. Prenons la chauve-souris par exemple, dit Claire Théron. Par quel mécanisme biologique n'est-elle pas atteinte par tous ces virus qu'elle côtoie? Contrairement aux hommes, par exemple. Alors là, on a écrit des bêtises, et cette dame a raison, elle est aussi malade. On connaît des cas de grottes entièrement détruites par un virus, mais le virus ne passe pas à la grotte d'à côté. Hein, il effondre une population, donc elle aussi. Ce qui est intéressant, c'est les quelques individus qui résistent et qui transmettent des gènes de résistance qui vont nous servir après. Mais elles sont aussi malades. Ça serait faux de dire qu'elles ne sont jamais malades. Est-ce que l'agriculture a un avenir avec le changement climatique? Et est-ce que Jean-Marc Jancovici, et Jean-Marc, avez-vous des projets de travail avec Jean-Marc? Ah oui, bien sûr, on se connaît bien sûr, oui. Il est dans un groupement de... Bon. L'agriculture a-t-elle un avenir avec ce changement oui, climatique? Oui, oui. Bon, lui, il est quand même très pro-nucléaire d'un côté, Jean-Marc, donc, bon, parce qu'il dit que pour l'instant, effectivement, il n'y a pas de gaz à effet de serre. Donc, il faut qu'on règle les questions des déchets. Moi, je ne suis pas un anti-nucléaire d'autre part non plus, mais bon, on regarde un petit peu. Je pense que demain, l'avenir sera beaucoup plus hydrogène parce que ça coûte très, très, très cher, le nucléaire. Alors, monsieur, allez-y, je vous en prie. Il y a quelqu'un là-haut aussi? Oui, ah ben, on revient vers vous après. Alors, allez-y. La semaine dernière, à côté de la Pointe du Raz avec mon frère, j'ai vu un spectacle exceptionnel, une chasse de 50 thons rouges à 20 mètres du bord, à la pêche du bord. Est-ce que c'est un spectacle qu'on va voir de plus souvent? Ou alors c'est quelque chose dû au réchauffement climatique, à la surpêche, qui se rapproche de plus en plus des... Alors je ne sais pas si tout le monde a entendu, donc je reprends. Du thon rouge à la Pointe du Raz. Du thon rouge à la Pointe du Raz. C'est un ensemble de plein de choses. Un énorme banc, c'est ça? Le thon rouge, il a failli, non pas disparaître comme les écolos, c'est pareil, c'est pas de l'extrême, mais les stocks français de thon rouge ont été très menacés. Entre 2003 et 2007, on flingue tout. Le thon, il passe au Guilvinec et puis à Banyuls, de 3 euros le kilo en 2000 à 100 euros le kilo en 2007. Il s'ouvre en France à l'époque un restaurant sushi sashimi par jour. Donc il y a une demande gigantesque, et là, on les détruit. Moi, je connais mieux la Méditerranée, donc ça veut dire qu'ils n'avaient pas la Pointe du Raz à l'époque. Hein. Ils sont en Baléares. On les voit en Sicile, et puis après, on les retrouve en Libye. La guerre de Libye éclate, ça limite un peu les ébats des pêcheurs de thon. Mais en tout cas, il est revenu, parce qu'on a pris des mesures, et on a évité au thon rouge ce qui s'est passé avec la morue à Terre-Neuve. Alors, sur l'histoire de la présence de thon à la Pointe Bretonne, oui, oui, la mer se réchauffe. Par exemple, vous savez ce que j'ai trouvé l'autre jour sur un étal de poissonniers vivants à Bordeaux, des dorades coryphènes, hein, le mahi-mahi, qu'on connaît bien aux Antilles, ceux qui ont voyagé un petit peu, ou bien à Tahiti, hein. Jamais vu dans le golfe de Gascogne, quoi. Et là, pêcher là. Les anchois de Méditerranée sont rendus, effectivement, en Bretagne. On pêche de plus en plus de balises ici et de dorades. On pêche des sards aussi. Donc oui, oui, il y a vraiment une migration vers le nord de ces poissons. Même. Alors, il y a des questions là-haut. Monsieur, allez-y, levez-vous et parlez fort. Oui, bonjour. Le GIEC nous alerte, bien sûr, sur l'augmentation et l'intensification des canicules des prochaines décennies. Et nous alerte aussi sur l'insécurité alimentaire. Qu'en pensez-vous?
petite information, samedi à Rennes, au Maï Mitterrand, aura lieu la fête des possibles qui rassemble. La fête, pardon. La fête des possibles qui rassemble les acteurs qui œuvrent pour la transition écologique. Très bien, le Maï Mitterrand, de 14h à 18h. D'accord. Ben, on a retenu. Non, le GIEC, enfin, tient compte du vivant. Parce qu'au départ, c'était quand même un petit peu une science de l'ingénieur. On étudiait un volcan pour le volcan sans se préoccuper de ses éruptions. Température pareille, qu'est-ce qu'on s'en fiche, franchement, que le climat change s'il n'y a pas la vie sur la Terre, hein, et l'activité économique. Donc maintenant, de plus en plus, dans les rapports du GIEC, il y a des documents sur la biodiversité et puis sur l'alimentation, tout à fait. Parce que ça aura un impact direct. Qu'on oublie une chose, c'est important dans votre question, c'est que le climat qui change affecte le vivant. Mais on oublie que le vivant qui s'en va affecte aussi le climat en retour. Hein. La déforestation, par exemple, hein, ou la surpêche. Donc ça joue en tous les sens. Mais c'est important d'avoir comme, je dirais, travail final d'aborder ces questions sur l'humanité et l'alimentation. Ouais. Allez-y, je vous en prie. Bonsoir. Alors, je me souviens d'une conf de vous, il y a 5 ans, vous aviez dit très clairement que vous ne croyez plus aux politiques. Oui, c'est vrai, toujours. Je pense qu'on a tous le même avis là-dessus. Et ça m'a interpellé quand vous avez parlé des collaborations avec les entreprises pour la bio-inspiration. Au final, vous avez cité des grandes entreprises. Oui. Comment on peut être sûr qu'on peut encore croire en ces gens-là ou également si vous voulez, je dirais qu'on n'a pas trop le choix. Ça veut dire que ces gens-là, encore une fois, entre deux mots, on choisit le moindre. Bon, d'abord, il n'y a pas que des grosses entreprises. Y a des pays. Je prends le cas de Rolin Jourdain, un navigateur breton. Il est super engagé sur la bio-inspiration de biomimétisme. Il y a des gens ici en Bretagne qui le font. Hein. Mais par contre, les grands groupes, ben, simplement, c'est qu'ils ont compris que le business, pour eux, il n'est pas possible avec une dégradation générale de nos environnements. Donc s'ils peuvent nous aider à faire un pas, je prends. Après, il faut être bien réfléchi sur le greenwashing. Mais je pense que sur le biomimétisme, encore une fois, il faut prendre le biomimétisme dans la mesure où l'objet d'étude amène à un progrès pour l'humain en général. Hein. Pas uniquement pour un cahier des charges d'une seule entreprise. Mais c'est une question sur laquelle il faut être vigilant, je suis d'accord avec vous. Mais il y en a qui, par exemple, Sénard, qui était l'ancien patron de Michelin, a fait beaucoup pour le biomimétisme, hein, très très clairement. Les groupes comme Clarins, par exemple, hein, ils ont viré toute leur matière plastique des crèmes solaires sur une discussion un jour à un coin de café en disant « c'est pas possible qu'on continue comme ça ». Bon, après, oui, il y a un argument de compétition avec une autre entreprise de produits cosmétiques. Hein. Donc, il faut regarder. Mais franchement, de toute façon, on ne pourra pas faire sans eux, de toute façon, je crois. Hein. Une autre... Il ne faut pas donner ça, tout mettre entre leurs mains. Puis je me fie beaucoup plus des multinationales, ça c'est clair. Hein. À propos du biomimétisme, on va recevoir Agnès Guillot et Jean-Arcadie Meyer qui ont sorti un livre sur le biomimétisme. Un livre qui sort. Et c'est passionnant en même temps. Oui, allez-y, je vous en prie. Bonjour, j'étais un peu surpris de ce que vous disiez par rapport à l'agroécologie, puisqu'on voit aujourd'hui, en tout cas il y a certaines études qui sont sorties au niveau européen récemment, certes commanditées par des groupes comme Avril, mais qui avait l'air de dire que l'état des terres arables, notamment en Afrique et en Inde, et les besoins en termes de rattrapage nutritionnel étaient tels que ce n'était pas envisageable à l'heure actuelle sans des exports de l'Europe. Je veux savoir quelle était votre position aujourd'hui au vu des discussions que vous avez. Écoutez, il y a un document magnifique qui a une semaine, il faut que vous le disiez, hein, de France Stratégie sur l'agroécologie. Il y a 3 tomes, lisez, les conclusions sont claires, hein, c'est beaucoup plus rentable que le système classique. Pour revenir aux pays qui sont à l'extérieur, bon, quand je vois en Inde les niveaux de pesticides qui ont été utilisés, l'état de dégradation des sols, ça va prendre du temps. Hein. Tout à fait d'accord. Mais ils avaient des solutions. Je prends l'herbe à éléphant en Afrique, un truc qui colle les parasites. Hein. Vous entourez un champ avec ce machin-là, pas de pesticides. Tout ce qui vole se colle sur le machin. Ça marche. Donc on s'est foutu d'eux, alors qu'ils avaient des solutions extraordinaires, des fois, hein, de systèmes qui permettaient de produire plus. Puis je pense que ces gens-là sont capables de produire. Moi, j'ai vu des paysans qui font, mais toujours en polyculture, hein, tout le temps, du taro, de la banane et des fleurs. Ça marche. Je pense qu'il faut les aider aujourd'hui à se développer, parce que c'est tellement, 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 tellement important. Le drame qui va se passer, c'est dans le cadre du changement climatique, ça va être compliqué. S'ils arrêtent de pleuvoir, ça va être difficile. Hein. Mais l'agroécologie, oui, oui, on peut faire plein, plein de choses avec ça. Lisez les rapports de France Stratégie, hein. Ils sont récupérables, vraiment bien faits. Et ils montrent que même en sonnant et trébuchant pour convaincre la France, quoi, hein, bah, ça rapporte plus, ne serait-ce que par le fait qu'on n'achète pas de pesticides et qu'on n'empoisonne personne. Pensez-vous que les technologies basées sur les blockchains
peuvent être un début de réponse sur le point économique. Je ne sais pas ce que c'est. J'en sais rien. Je ne connais pas assez bien le sujet des blockchains. Je sais que ça existe, on a entendu parler, mais là, je ne suis pas compétent pour répondre à une telle question. Bon, alors, on ne répond pas. Peut-être que quelqu'un pourrait m'aider là-dessus, je ne sais pas. Ah, y en a une question qui me plaît beaucoup, si je la comprends bien. Est-ce que les bactéries contenues dans le corps humain peuvent redonner vie à une terre morte ou très pauvre en vie bactériologique? En gros, est-ce que nos cadavres peuvent nourrir la terre? Bah déjà, ce qui est terrible, c'est que moi, j'ai des amis qui sont légistes. On ouvre un cercueil 2 ans après, le type, il est intact à l'intérieur. Hein. Parce qu'il était bourré d'antibiotiques au moment où il décède. Donc, ça, c'est des trucs. Ou bien alors, les cercueils sont trop étanches. Il y a eu plein d'aspects là-dessus. Non, ce qui est clair, c'est qu'on pourrait donner de la vie à la terre, ça, c'est sûr, avec les bactéries du sol. Mais ce qui marche très bien, c'est un peu dégoûtant, mon truc, mais ça marche. Sur une personne très obèse, on lui injecte du caca de type svelte et il maigrit. Et ça marche. Non. Si, ça marche. Des fesses d'un type mec chez un gros et il perd du poids, bien plus qu'en faisant du sport. Donc, vous voyez. C'est dégoûtant, mais ça marche, mon truc. Bon, on s'arrête là pour ce soir, en remerciant. Tu voulais poser une question ? On finit sur un peu de scato, là, pour finir. Non, mais c'était passionnant. Merci, merci beaucoup à vous tous d'être venus nous rejoindre ce soir. Merci aux internautes qui ont suivi notre conférence, que vous pouvez revoir donc à partir de demain sur le site de l'Espace des Sciences et sur notre chaîne YouTube, que vous pouvez revoir aussi sur TVR pour ceux, si vous pouvez dire aux gens qui ne peuvent pas venir aux conférences, qui peuvent revoir nos conférences aussi sur TVR le vendredi, le dimanche et le lundi à des horaires qui sont indiqués sur leur programme. Voilà. Merci beaucoup à tous. Merci. Est-ce que vous avez un site? Parce que j'aurais laissé un papier qui s'appelle Notre ennemi n'est pas le virus, mais nous-mêmes, qui est sorti, qui raconte un peu tout ça. Sur le site de l'Espace des Sciences. Qui est sorti, sorti donc dans la revue La Tribune. Voilà. D'accord. Et puis merci à toute l'équipe qui a permis d'organiser cette conférence. Bonsoir à tous. Bonne nuit. À bientôt.